Salut YouTube et bienvenue sur la découverte de Choot Choot Charles. C'est un jeu qu'on attend depuis très longtemps, j'en avais parlé déjà il y a plus d'un an, il est enfin sorti, merci énormément aux développeurs de m'avoir filé une clé il y a quasiment une semaine. Malheureusement j'avais un embargo, je pouvais pas le montrer, je pouvais pas en parler, je vous ai attendu, je n'ai absolument pas lancé le jeu, c'est un jeu qui est vendu au prix de 19,50€ sur Steam. Je te mettrai évidemment le lien dans la description. C'est un jeu d'horreur, comme tu le vois, où on conduit un train en monde ouvert et on est poursuivi par un train araignée. Eh ouais, le pitch est what the fuck, on ne l'invente pas. On modifie nos armes, on upgrade notre train et le but, évidemment, c'est de tuer Choot Choot Charles, comme tu peux le voir, qui est le boss final de ce jeu. Le chat est chaud, le beat est bon, le jeu est évidemment en français, et ça, ça fait plaisir. Il y en a à peu près pour 4-5 heures à deal dev, donc je sais pas si on le fera d'un coup. On est parti, mesdames et messieurs, pour la découverte de Choot Choot Charles. Let's go, baby. Woo! I know it's been a while since we last spoke, but something has happened at the mines I've been supervising. Ah, les sous-titres, ça fait plaisir. Trust me, you'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business. Well, there's something big on that island, real big. So many friends, and even my own son are still out. Je rappelle que c'est un jeu fait par un seul mec. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help an old friend. Okay. Yes, meet me on the docks. Ça, c'est tout Charles qu'on voit. I hope you're ready for a little monster hunt. Le jeu est fait sur l'Unreal Engine. N'hésite pas à me dire YouTube en commentaire si tu aimes bien ma nouvelle intro avec le Let's Go Baby. Voilà. Ça changera pas mon avis parce que moi ça me fait rire, mais... Il y a un énorme décalage avec les alertes. Non, c'est fait exprès, Edouard. They call him Charles. Half train, half giga spider from hell. Moitié train, moitié araignée, quoi. For some time now and have nearly everything in order. Just a few people to meet and places to see. Simple errands, you know. Yes, sir. Welcome to un peu plus d'un an de développement sur the island where miners dig their own graves. Stay close. Oula, pardon. Alors, il y a un tuto. Tout en bas à droite, vous voyez la vie du train et ma vie à moi. Ok. Ok, je peux sauter. Je peux courir. Je peux pas me baisser. Ok. Ah, je peux courir assez vite. Est-ce que j'ai du... Ok, j'ai l'air de pouvoir courir à l'infini. Ok. Putain, le jeu est ultra réactif, hein. Ok. There's a train shed at the top of the hill. Ah oui, il y a même pas de synchro labial. Ok, c'est pas grave. Il y a un hangar de train au sommet de la colline. One of the train operators was killed early on by the beast, so his old engine should be in there. Ok. If we can get to it. It could be an indispensable tool. Alors, le dev a dit que c'était un open world, qu'on pouvait le faire le jeu en 2 heures comme on pouvait le faire en 6 heures. Il y a des quêtes annexes, il y a des quêtes principales. On fait les quêtes dans le sens qu'on veut, mesdames et messieurs. Donc l'histoire et le let's play peut être un peu différent. Il n'y a pas de random. Il n'y a pas de random, si vous voulez. Peut-être que dans le loot, tu vois. Mais dans l'histoire, il n'y a pas de random. Il n'y a pas plusieurs fins différentes de ce qu'a dit le dev. Donc, en fait, quand vous voyez la première fin... Quand vous battez le boss final, ça sert à rien de refaire le jeu, le boss final sera toujours pareil. Par contre, après avoir battu le boss final, il a dit qu'on peut continuer les quêtes si on les avait pas toutes finies, c'est tout. Fini et tout. Stay close. We don't want to be exposed for too long. Donc peut-être que si vous avez vu le jeu ou un autre let's play, on va pas faire les choses dans le même ordre. Mais on fera les mêmes choses. Oh, papy! Let's go, baby! Oh, il est chaud! Oh là, mais attendez, mais c'est... Mais il va trop vite, ce mec! On va le rattraper, mesdames et messieurs. Le joueur français qui donne tout. Il reste 100 mètres! 50 mètres! Putain! Oh, t'es chaud, papy! Ah, shucks, it's locked.
Ça, c'est parce qu'il maîtrise la technique ancestrale du parler et respirer par le nez. Not to worry, we can still find a way in. Oh, il est parti une balle. Il a du cardio. Non, mais regardez, même moi. Hein. Je fais du sport, c'est normal. There's a small shack up the path that might have a key inside. Ok. Vous voulez que je vous lise les sous-titres ou ça suffit la VO? Take this map. I just marked the location on it. Ok. See if the key is up there. And I'll look around some more down here. Alors, ouvrez la carte et consultez l'emplacement marqué à l'aide de M. Wow! Ok. La flèche bleue indique votre position actuelle. Les lignes blanches représentent le réseau ferré. Les flèches rouges représentent les séparateurs de voies. Tu vois la taille de la map? Ouais, t'as vu la taille de la map? Ah, ça fait plaisir. Donc là, il y a des missions avec des PNJ. Putain, j'adore. Les PNJ et les missions sont marquées sur la carte. Ajoutez des points de passage pour voyager plus rapidement. Point de passage avec clic droit. Ok. Mission facultative. Mission d'armes. Ah, ok, ok. Donc si on fait que les missions principales, en vrai, on peut finir le jeu assez vite. Mais vous savez que moi, j'aime bien tout faire. Donc là, je peux mettre des marqueurs. Ok. Et donc ça, c'est ma mission actuelle. Ok, cliquez sur le bouton souris. Déplacez-vous. Ok. Dézoomez, zoomez. Ok. Et je suis sûr qu'il doit avoir des trucs cachés, quoi. Ok. Oh, j'adore la transition avec la map. Je trouve ça trop stylé, chat. Vraiment stylé. Ah, et tu vois sur la carte. Alors attends, est-ce que je peux l'enlever mon marqueur? Je peux pas l'enlever? Bon, je peux pas l'enlever. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre... On va le mettre là. On va le mettre là, mission facultative, et puis on verra en attendant. Ok. Donc lui, il nous attend. Ok. Le son du jeu, ça va, chat? C'est un peu fort, non? Alors. Par contre, on n'a pas le marqueur bleu, on l'a pas sur notre carte. Ok. Ok, donc normalement, il y a un truc dans cette cabane. Putain, en tout cas, ça répond du tac au tac. Oh, la taille de la clé! Appuyez sur I pour l'inventaire. Ok. Une petite clé en or qui peut être utilisée pour ouvrir la gare abandonnée. Ok. Ok, let's go. Une clé de 12, ouais. Le son est bon? Ok. Et le beat est comment? Par respect pour le taf, autant prendre notre temps. Exactement. Good on you. Looks like you found it. Merci beaucoup, Risbo, pour open le follow. Up that door and lead the way. Ok. Ouh, derrière le chat, ok, ça ajoute des trucs. Oh, mon train, il est trop beau! Hey, that's what I'm talking about. Est vraiment pas mal. She's an oldie but a goodie. Yeah. I'm going to inspect the train's exterior. Why don't you take a peek inside? See what we've got to work with. Il fait un peu pervers la façon dont il parle un peu. Merci beaucoup Anissa. Putain, 16 mois, incroyable. Merci énormément. C'est plaisir ça. Alors. Wow. Ok. Il y a de la peinture. Ah, on va pouvoir changer. Utilisez votre train épique. Utilisez-la pour parcourir rapidement l'île. À la fois une arme et un bouclier contre vos ennemis. Votre point de réapparition sur les choses se corse. Interagissez avec les objets de la cabine, ok. Merci beaucoup, Luxy, pour ton 14e mois, tier 3. Merci énormément. Donc là, c'est pour faire avancer, reculer, j'imagine. Là, il y a de la peinture. Qu'est-ce qu'on a ici? Amélioration. Oh putain, j'adore. J'adore. Tout ce qui est un peu amélioration et tout, je kiffe. État du train 100%. Réparé, donc il faut qu'on trouve des débris. Augmenter la vitesse maximale avant et arrière. Ok. Augmente les dégâts de toutes les armes, réduit tous les dégâts subis par votre train. Voilà. Le truc qui est bien, la chat, c'est que le dev, il s'est pas cassé le cul à te faire un arbre de compétences sur 50 mètres. Okay. Il a fait un truc de base. Vitesse, dégâts, armure, réparation. Pas besoin de te prendre la tête. Et ça, j'avoue que c'est quand même assez appréciable. Alors, comment je quitte ça, par contre? Échappe. Et là, je tire avec ça. Viser. Ok, viser comme ça. Oh, bitches! Excusez-moi. Merci à tous. Et le canon devient rouge. Utilisez votre touche d'action pour tirer. Les armes s'enrayent si elles sont utilisées trop longtemps d'affilée. Les armes ont des munitions illimitées. De nouvelles armes peuvent être emportées en accomplissant des missions. Ah, attends, combien de fois je peux tirer avant que ça... Ok. Oh, c'est stylé. Ah, c'est stylé. Le jeu est prévu sur console, d'ailleurs.
Ah, j'aime bien. Tu vois, j'aime bien le fait qu'il ait pas fait juste une jauge à la con. Juste une jauge à la con, c'est avec la couleur du canon. Ça, je kiffe. Alors, attends. Par contre, il va falloir que je change des touches, pardon. Parce que M pour la carte, I pour l'inventaire, c'est un peu casse-couille. Excusez-moi. Donc, on va mettre contrôle. Ma page d'entrée, voilà, ça, c'est bien. L'inventaire, on va mettre tab. Ouvrir la carte. Quitter, retour. Je vais pas mettre ça. Je vais mettre un truc plus simple. Je vais mettre T. Pause, on va mettre échappe. Ça va être très bien. Saut, sprint. On peut pas se baisser. Ok, on peut se pencher. Passer le didacticiel, tab. Ok, ça m'a l'air pas mal comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Retour, continuer. Donc, normalement, tab, j'ai mon inventaire. Là, si j'appuie sur ce clic-là, ok. Tac, tac, ok. La sensation est pas mal, chat. Le jeu est joli. Alors. Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be intact. Oh, ça va le faire, easy, ça va le faire. That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island. Oh, j'ai hâte de débloquer des nouvelles armes. Le mec s'en est même. Si, il y a du recul de ouf. Je vais vous montrer. J'aime bien le style graphique, c'est un mélange de réalisme et de dessin, tu vois, sur le mur. Je trouve ça vraiment sympa. Il y a un côté cartoon un peu, tu vois. Ok. Le levier central fait avancer le train. Le levier de gauche fait reculer le train. Désactivé durant le tutoriel. Ok. Le levier de droite arrête le train. Descendez du train en marche, l'arrête immédiatement. Ok. Alors attends, regardez le recul. Donc là, je bouge pas ma souris, j'appuie juste sur tirer. Tu vois le délire un peu ? Donc t'es vraiment obligé de straffer un petit peu vers le bas. C'est pas mal. Franchement, la sensation est vraiment bien. Comment tu vas, Polish ? Tu vas bien ? Alors. Waouh, t'as même le petit ça s'arrête et tout. Putain, c'est trop bien. Vous voyez ce que je parle là du... Il y a un côté réalisme et un côté dessin en même temps. Je sais pas, je trouve ça trop bizarre, j'adore. J'adore. Et le fait aussi que tu montes automatiquement, t'es pas obligé de sauter, tu vois. C'est vachement bien, je trouve. Let's go! Ok, donc là j'ai ça. Oh, il met du temps à s'arrêter quand même. What? Merde! You little bitch! Papy! Oh, il l'a bouffé! Papy! This isn't how things were supposed to end. I thought we could still fight like the old days. Oh non, ils ont tué Eugène. Bande d'enfoirés. Easy out. Eugène. You'll need to do more than I thought, but... Ok, on lui a enlevé pas mal de vie. Hein. Oh non, Eugène. Attendez, il faut abréger ses souffrances. Trouvez les œufs. Trouvez mon fils. Merde. Attendez, le pauvre, il souffre. Attendez, il souffre. Eugène, j'arrive. On va te transporter à l'hôpital. Merde, friend. Eugène, tout va bien. C'est rien, Eugène. C'est la douleur, c'est dans ta tête. Bon bah, Eugène est mort, je pense. Hein. Et donc à partir de là, on fait ce qu'on veut. Putain, c'est stylé. Attendez, il faut que je fasse un truc pour YouTube. Faut le finir. Ouais, bah oui, il faut le finir, bien sûr. Alors attendez, chat, qu'est-ce qu'on fait? Parce que maintenant, on est libre, tu vois, on fait ce qu'on veut. Est-ce qu'on va avoir une mission facultative directe? On visite, tu vois, des lieux, tu vois, comme ça, par exemple, ou ça, peut-être. Ou est-ce qu'on part directement sur le mode histoire, chat? Putain, papy est mort. Ou alors, on peut commencer à aller voir des trucs qui n'ont rien à voir, tu vois. Il est libre, Max. Moi, je verrais bien la petite mission facultative, là. Tu peux te balader à pied, ouais. Regarde. Tu peux partir à pied. Le problème, en fait, si tu te barres à pied, spoiler, bah, c'est que de charge, il peut te choper et il te bute, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, je pense qu'on va aller...
On va aller à la première mission facultative. Est-ce qu'on peut voir le en temps réel? Oh, tu peux voir le train en temps réel. Alors ça, c'est cool. C'est vraiment stylé. Y a pas un klaxon? Attendez, là-bas il y a un pont. Oh, j'adore. J'adore. Là. Oh, trop bien. Tchou-tchou. Ok, on n'est pas encore au changement de voie. Merde. Pas de Charles à l'horizon. Y'a la cloche, ouais. Oh, attends, y'a un truc là. Ok, le train s'arrête. Attendez, y'a un truc là. Je peux pas péter ça. Alors, y'a des... Ah là, c'est quoi ça? Plus. Chat. Y'a eu un plus. Qu'est-ce que ça fait? Pas se reposer. Donc il y aurait apparemment il y a du loot random. Campement de Phasmo peut-être, ouais. Est-ce qu'on peut rentrer par l'arrière? On peut pas rentrer par l'arrière. Ah, c'est un débris. Ok, donc c'est un débris que j'ai trouvé. Donc un débris remet 10%. Ok. Ok, nice. Continue. Ah, donc il faut regarder quand même. J'aime beaucoup le chat. Ah, attends, là il y a un changement de voie. Les panneaux indiquent la séparation des voies. Le signal lumineux. Hein. Ok. Ok, donc là faut changer de voie. On va descendre. Arrêtez votre train, interagissez avec le levier. Okay. Nous on veut aller. On veut aller à gauche, hein, je crois. On veut aller à gauche. Oh, remarque, à droite il y a plein de. On va aller à droite en vrai. Il y a plus de missions à droite. On va aller à droite. Allez, à droite. Putain, c'est trop bien. C'est trop bien. Alors, pour ceux qui se demandent, le jeu est qu'en solo. Hein. Il est pas en multi. Hein. Je sais, Osiris, c'était fait exprès. Let's go, baby. Tu peux pas te faire écraser, je sais pas. Le train s'arrête automatiquement, donc je sais pas. Okay. Alors, au niveau de la carte. Il y a le pont. Ok. Alors, je sais qu'il y a des cultistes. Ah, ok, ça doit être là, le PNJ. Là, il y a un truc. Il y a quoi ici? Il y a peut-être des trucs. Oh! Oh oui. Ok. Ok, donc il faut fouiller quand même. Je pense pas que je puisse me faire écraser, puisque quand je descends, automatiquement, ça s'arrête, quoi. Attends, on va parler au PNJ. Tu vois? Je peux pas. Oula. Bonjour madame. Eugene told us we'd have a newcomer soon. I suppose that would be you. Faut fouiller, ouais. Quand tu vas Tifa Chan, tu vas bien. There's some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to repair and upgrade your train. Ok, sur le balcon. Here's the key. Oh. Although the balcony is right behind me, I'll just mark it on your map anyway. As a side note, talk to anyone around here and they'll do whatever they can to help. Anyone not wearing a mask. Ok, donc les gens avec un masque, c'est des sacs. Ok, donc là, elle a marqué un truc sur ma map. Ok, pour l'instant, vous en pensez quoi, chat? Pour l'instant, j'aime bien, moi. Ça va vite. Ça perd pas de temps. Le tuto est simple. Le gameplay est simple, pour l'instant. J'aime beaucoup. Comment tu vas, petite crêpe? Tu vas bien? La petite crêpe, à mon avis, on est sur un des meilleurs jeux de l'année, là. En tout cas, pour l'instant. Oh oui, du pognon! Nous avons été, on ne peut plus, patients. Mais les derniers jours ont été pour le moins chaotiques. Charles a été plus agressif ces derniers temps, au point que je commence à craindre qu'il ne reste plus grand chose, plus grand monde, lorsque l'aide arrivera. Bonjour, bon courage Eugène, on compte sur toi. Ok. Oh, on a plein de matos, on va pouvoir augmenter des trucs. Aïe. Ah tiens, est-ce que ma vie remonte? Ça va être bon à savoir ça. Vous disposez désormais de ressources. Retournez à votre train et faites quelques améliorations. Interagissez avec les plans de cabine. Okay. J'en ai 14. Merci madame. Le jeu commence à peine. J'ai déjà envie qu'on le fasse à 100%. C'est un truc de ouf. C'est moi aussi. Je vous le dis direct. Il y a moyen que ce stream dure longtemps. Voilà, préparez-vous. Ce jeu va gagner meilleur jeu indé 2003, croyez-moi. Si c'est le cas, je suis comme un dingue.
Alors attendez, on a 14 débris. Niveau 2-3 débris, c'est quoi? Vitesse, dégâts, armure. On est... Vous êtes team quoi, Chad? Ma vie remonte? Ah, ma vie remonte. Ok, nice. Est-ce que vous êtes team dégâts ou team armure? Vous savez quoi? Tout de suite, un petit sondage. C'est vous qui décidez ce que j'augmente. Moi, je me balade. Voilà, petit sondage de 60 secondes. Qu'est-ce qu'on a sur la carte? On a une mission ici, une mission ici. Ah, attendez, on a une mission là-bas. Attendez. On a une mission là-bas. On va faire la mission là-bas. On va essayer d'y aller. En espérant que Charge nous pète pas le fion. Alors, le Charge, il peut arriver de manière random. Hein. Ok, let's go. Ok. Bonjour. Mais attendez, c'est Merlin. Bonjour, Merlin. Well, hello, darling. Allez-y, il vous reste 1 minute 30 pour voter. With ingredients for my very own swamp. But I don't have any meat. Ne me donne pas très envie ton ragoût là tout de suite. I smell a carcass on the island in the swamp, and if you wait over there and bring it back for me, I'll pay you some scraps. Although you'll need to be wary of the swamp. Oh, il y a un monstre. Ok. Comment tu vas vivre? L'ambiance est vraiment cool. Ouais. Ok, il faut pas bouger s'ils arrivent. Ok, il faut pas bouger. Ok, il y a un truc sur notre carte. Ok. Récupérer de la viande au centre du marais tout en évitant les menaces potentielles. Ok, j'adore. J'adore. Alors. Déjà, est-ce qu'on a des trucs à choper ici? En fait, ce qui est vraiment appréciable, et ça vous donne peut-être le tournis, donc je m'en excuse, c'est la fluidité du jeu. Le jeu est tellement fluide. Tu vois, tu sens que le jeu est nerveux, tu vois. Ça court vite, ça bouge vite. J'essaie de pas trop bouger vite pour pas vous donner la nausée non plus. Mais tu sens que le jeu est propre, tu vois. Qu'est-ce qu'on a ici? Recette du ragoût, viande de toutes sortes, humaine incluse. Alors. Et papy a couru vite aussi. Alors attends, comment on fait là? Quoi, faut sauter dans l'eau? Mais c'est stressant un peu ton truc là. Je bouge pas. Il y a une partie de moi qui a envie de bouger pour voir un peu la gueule du truc, mais. Ok, on est bon. On est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, j'ai de la viande. Ok, on va retourner la voir. Oh! Il y a des débris. Ouais, donc faut bien regarder des fois. Hein. Oh nice, on va pouvoir augmenter plein de trucs. Il est là. Et bouge plus, bouge plus. Il a dit, le dev a dit que ce qui lui avait pris le plus de temps, c'est de... Pendant un mois, il a à peu près essayé d'enlever les bugs de l'IA et tout. C'est ce qui était le plus long. Ça va être long un peu, non? Je peux sauter ou pas? Je peux pas sauter. Allez, mais je suis sûr que t'as pied là. Un beau brochet. Hein. Il est fort par contre, il arrive à nager en arrière et ça c'est fort. Ok, on est bon. Alors qu'est-ce qu'elle va nous donner? What a delicacy you found. Je voyais pas le jeu comme ça, je pensais que c'était vraiment sur les rails. Non, non, tu peux descendre et tout, c'est un open world. Ok, donc j'imagine que la plupart des missions secondaires, c'est des débris. 49! Let's go, baby. Salut, Did. Alors, attends, mon train, il est où?
mon train, il est loin. Okay. Il est là-bas. Ah, il faut pas que Charles vienne nous péter le cul. Bon, ça va, Skator. Salut, Po. Salut, Oasix. Vous allez bien? Alors, qu'est-ce qu'il y a gagné au niveau du premier sondage? On fera un sondage à chaque fois que je peux augmenter quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a gagné? Oh, le marqueur comme ça? C'est une bonne idée, ça. Armure à gagner? Sérieusement? Ok. Ok, ok. Alors, combien ça me prend de débris, ça? 3 débris. 4. Ah ouais, donc ça prend de plus en plus de débris à chaque fois. Ah merde! Ah, moi, je croyais que pour augmenter d'un niveau, il fallait en fait aller la barre à fond. Mais non! En fait, tu augmentes d'un niveau à chaque fois. Ah! Ok. Ah, ok, 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 ok. Ok, je comprends. Je comprends. Ah ouais, mais si on fait à chaque fois, ça va être trop trop long en fait. Je pensais qu'en fait, il fallait monter la barre au maximum et que ça te faisait passer niveau 2, tu vois. Ouais, bah, j'ai réparé. Ok, je vais utiliser... voilà, je vais mettre niveau 4 les deux. Et après, j'attends le résultat du prochain sondage pour augmenter le truc. Ok, on continue. Ah, j'ai hâte qu'on puisse débloquer des couleurs et des trucs aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Y'a rien. Là, attendez, il y a une décharge. Là, y'a forcément un truc, il y a une décharge. Ok. Sacrée princesse. Merci, Snowden, pour la princesse. Ok, c'est peut-être un marchand. Alors attends, marchand, je vais d'abord te piller si ça te dérange pas. Je te parlerai après. Hein. Là, il y a un campement. Je suis sûr qu'il y a des trucs là. Let's go, baby. Vitesse. Ah, vitesse, c'est vrai que ça peut être pas mal quand il nous poursuit, ouais. Alors le jeu va être dispo sur les consoles et jouable à la manette aussi. Hein. Alors. Look, kid. I know you're supposed to be some fancy pants monster hunter, but you can't earn my respect without making yourself useful. OK, attendez, qu'est-ce qu'ils ont ces bras? One of Warren's goons dumped a locked chest in the yard last night. After beating on it for a few hours, I didn't break anything but a sweat. Okay. I got some lock picks, but I don't know how to use them. Here, take them. If you okay, on a des lock picks. Earn my respect. I might just give you some scraps. Ah oui, je m'en souviens ça. Ça c'est une mécanique que j'aime bien. Je la trouvais sympa sa mécanique de. Attendez, mon train il a changé. Attends. Qu'est-ce qu'a gagné? La vitesse a gagné. Ok. Il était pas comme ça mon train tout à l'heure, Chad. La vitesse a gagné. Ok, on va mettre 3. On est niveau 4. On va garder un peu de débris pour se réparer. Ah, il est blindé maintenant, on est d'accord? Ça a rajouté des trucs ici et tout. Stylé. Ah, attends, qu'est-ce que je dois faire? Crocheter la serrure sur le coffre dans la case de Daryl. Ok. Alors, attends. Ah. Je vais changer le bouton de la map aussi. Parce qu'il est un peu chiant. Paramètres. Map, elle est où la map? M, là, on va mettre ça ici. Putain, c'est vraiment bien, les jeux où tu peux changer les boutons, c'est vraiment bien. La up, les dégâts aussi, peut-être l'arme a changé. Ah, attends, est-ce que l'arme a changé? Non, à mon avis, c'est juste les dégâts qui ont augmenté. Ah, je peux pas... Attends, je peux pas sortir par là? Ah ouais, t'es obligé de sortir par là, ok. C'est automatique le changement de ton train. Je pense que quand tu l'upgrades, c'est automatique, ouais. Ok. Ok, let's go, baby. C'est con comme gameplay, hein. T'es sur une map et tu fouilles, mais je sais pas. Y a un truc qui me donne envie de tout fouiller. Y a des jeux comme ça. Alors, attendez, y a un coffre. Oh, il faut que tu cliques. Oh, j'adore. Oh, c'est trop bien, j'aime bien ça. Ah putain, faut être précis, oh. Putain, mais je suis nul. Regardez, on va y arriver du premier coup.
En fait, j'anticipe la latence, mais il n'y a pas de latence. Voilà. Faut pas anticiper la latence. C'est quoi ça? Redonner à Daryl pour terminer la mission. Ok. Attendez, je suis sûr qu'il y a des débris là-dedans. Je peux pas y aller? Oh non. A votre avis, on va débloquer quoi comme arme? Si vous avez déjà vu des vidéos, spoilez pas. Moi, je sens bien un petit... une sorte de canon, ce serait stylé, qui tire des obus. Alors, ce roquette, ouais. Bon, tu vas, JB. Un petit minigun. J'avoue qu'un minigun serait stylé. That's an odd-looking piece of junk you found inside there. They earn my respect. Ok. Combien on a de débris? 34? Non, mais attendez, on les gagne super vite. Un lance-croquette. Un lance-croquette. Attendez. On va augmenter un de chaque, en vrai. Hein. On en monte un de chaque. Attends, ça va vite. On a déjà augmenté la moitié. On continue. Ah merde, il y a une mission juste là. Oui, j'arrive. Ok. Bon bah écoutez, on va faire une mission principale. On a bien fouillé. On va se faire ça, on va se faire deux missions secondaires, une mission principale. Ça m'a l'air pas mal. Un lance-flamme, ce serait stylé. Ah j'avoue, un lance-flamme. Bonjour madame. The monster hunter has arrived, I see. Oui, c'est moi, l'immortel. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. Ah. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. OK, locum. Dispersed around the island. Trois œufs sont dispersés autour de l'île enfermée dans les trois principales mines de l'île. Placer ces œufs dans le temple situé au centre de l'île provoquera Charles. Provoke Charles into a fight to the... Unfortunately, the mining company owner Warren Charles III has placed armed guards inside each mine to protect. Ah mais si les gens ils mettent pas du leurre aussi, on est bloqué quoi. There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine. I've marked. C'est gentil ça. Alors elle est où cette mine? Elle est ici. Ok. Ok, on va faire lui. Mission d'armes. Et ben voilà, on aura peut-être la réponse. Tu vas voir la taille de la map déjà? Ouais. Alors, le dev a aussi dit, mesdames et messieurs, et ça fait vraiment plaisir, que quand la version console sortira, il y aura du contenu additionnel gratos. Qui sortira sur PC. Et ça fait plaisir. Retronours, merci beaucoup pour ton raid. Bienvenue à toi et tes viewers. On est sur Chouchou Charles qui vient de sortir. Et c'est une dinguerie monumentale pour l'instant. J'adore. J'adore. On a un train qui doit se battre contre un train araignée. C'est nerveux. C'est propre. Ça fait plaisir. 12. Ça suffit pas à 12. On est parti. Chouchou. Dès qu'un claque un sub, je fais ça. Attendez, il y a un truc là. C'est ça la mission d'armes? Yes. Attendez, il y avait un autre truc sur la carte ici. Ah non, là c'est la casse. Je suis sûr qu'il y a des trucs cachés. Regardez ça, c'est caché ça, il faudrait qu'on y aille. Comment tu vas, l'ours? Installez-vous, salut Alcrow, Asmodei. Mick. Caro, tu vas bien? Salut belle morte. Alors. Ok, Marvin. Merci beaucoup Marvin, je te dois un chouchou Marvin. Je te dois un chouchou. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai réussi la mission avant que la mission commence. Incroyable. El Matador. Bah bien sûr. Bonjour. Hey, c'est moi Spider-Man. Using the water tank to put out the fire. Pure genius. Ça va très bien. L'ours, il a l'air incroyable ce jeu. Utilisez, oui. Oh, pardon. Un lance-flamme. Oh, let's go, baby. Alors, attends, ça va nous coûter des débris, le lance-flamme, ou pas? Nouveau pot de peinture. Oh, pardon. Je suis un gamin. Non, mais je suis vraiment un gamin. Je suis comme un dingue. On a une nouvelle peinture, on a un lance-flamme. Aussi simple que ça, quoi. Est-ce qu'on peut visiter encore? C'est fermé. Ça va, je bouge pas trop vite. Là, le mec s'est construit un fort, laisse tomber quoi. On va retourner vers notre train. J'ai un lance-flamme, on va le tester tout de suite.
Là, il n'y a rien à ramasser. Non. On va le tester tout de suite. Il est où, mon train? Merci beaucoup, Axol, pour le sub. Je vous dois un chouchou de chacun. Incroyable. Bon, tu vas d'Islo. Attendez. C'est quoi ce bruit? Attendez, ça veut dire que Chouchou arrive? Oh, il est là-bas! Attendez. Cadence de tir, ralentissement, portée, dégâts. Je l'ai vu. Il est où? Attendez, je vais... Holy shit! Déjà? Ok, il faut changer d'arme. Tu vas payer, Jean-Thierry! Ok, en fait... Ok, le temps que ça refroidisse, tu peux changer, je pense. Il est où? Il s'est barré? Ouais, c'est ça, ouais! Oh, tu l'entends arriver avec le chouchou et tout, c'est stylé. Merci Marvin. Et merci Axel, je crois. Ok. Eh, le lance-flamme, par contre... Oh, il chauffe super vite, hein. Alors, attends. Donc ça, on a 2 de dégâts, 3 de portée, ralentissement, cadence de tir. Le dérailleur, ça a l'air d'être le mieux, en vrai. Hein. Et ça, on a beaucoup de ralentissement, très bonne cadence de tir, mais portée dégâts, c'est pas ouf. Oh, il a défoncé mon train. Ok. Alors, attends. Oh, il est orange. Qu'est-ce qu'on fait? On garde orange ou jaune, chat? Tu le vois où, la vie du train? Ah, non, la vie du train, c'est en bas. Ok. Comment tu vas, Mick? T'as la forme? Alors attends, mais du coup, attends, j'en suis où sur la map là? Parce que j'ai loupé plein de trucs pour le coup. J'ai loupé la mission ici. Merci à tous. Ah, on s'est approché de la mine, du coup, c'est pour ça qu'il est venu nous casser la gueule peut-être. En bas à droite, ouais. Shadow, merci beaucoup Shadow pour le sub. J'adore. Juste la sensation de conduire le train, c'est trop bien, chat. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette mine? La réponse, après la pub. Ok, on va descendre. Là, il y a peut-être des trucs. Je cours trop vite, je suis désolé, je suis excité. Ok, donc là, on a la mine. Est-ce qu'on a des débris, là? Des débris... Bon bah let's go dans la mine, hein. Let's go dans la mine, chat. Le train a changé de couleur, génial. Bah ouais, tu peux débloquer des couleurs et tout, c'est trop bien. Par contre, au niveau des dégâts, je pense qu'il faut augmenter l'armure à fond. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression que c'est... La vie est descendue super vite alors que je suis censé être niveau... niveau 4 ou 5 en armure, quoi. Merci énormément, Eclipse. Merci beaucoup. Regardez, en armure, je suis niveau 5, quoi. On va se mettre niveau 6. Orange, vous préférez orange? Okay. Il peut attaquer... Attends, pas... Attends. Il peut pas attaquer que quand tu t'approches d'une mine. Non, mais Hunter... Hunter, arrête le backseat, s'il te plaît. C'est ta dernière chance. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? Je me doute bien. Alors, la vitesse, à mon avis, c'est important, Kiyoshi, ouais, je pense. Je pense que c'est important. Comme ça, il nous rattrapera moins... Mais en fait, je pense que tout est important. Donc, écoute. Alors, c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'ennemis. Elle nous avait dit qu'il y avait des ennemis. Creuser le tunnel le plus éloigné a fini par nous amener à un mur. Lequel donnait sur une grande caverne. Quelque chose d'étrange s'y trame.
sans que je puisse préciser ce qu'il en est. Nous demandons à Mr. Warren qu'il visite la mine du Sud au plus tôt pour nous donner de plus amples instructions. Alors. Furtivité. Oh merde! Penchez-vous à gauche ou à droite. Ok. Ah merde, j'ai pas eu le temps de tout lire! Est-ce que c'était marqué que je pouvais me baisser? Je crois pas. Hein. Je crois pas. Ok, mais vous savez que je suis un dieu de la furtivité. Bon. Dites rien sur le jeu. Voilà, me dites pas ce que vous pensez. Laissez-nous découvrir par nous-mêmes. Et gardez votre avis pour vous. Je suis désolé, hein. Que vous avez fait... En fait, le truc, c'est qu'on peut pas savoir si vous avez fait le jeu ou pas. Donc le mieux, c'est qu'on découvre ensemble. Pas de backseat, s'il vous plaît. Ok, là, y a rien. C'est bizarre qu'on puisse pas se baisser. Alors. Attends, je regarde, je vérifie juste parce que ça me ferait chier. Interagir, action, pause, déplacement, saut, sprinter. Non, tu vois, on peut pas. Okay. Ah, attends. Je vais aller de l'autre côté. Il y avait un autre chemin. Il y a peut-être des débris. En tout cas, j'aime bien parce que ça change un peu le gameplay, tu vois. C'est pas juste un gameplay train. Oh, j'ai tellement bien fait de faire demi-tour. Let's go, baby. Ah, j'aime... Oh! Oh, la petite couleur plaisir! Allez, petit sondage, mesdames et messieurs. Jaune, orange ou vert? Ok. Le petit coffre qui fait plaisir, ça. Tu vois, j'aime bien les jeux qui récompensent l'exploration. T'as pas besoin d'explorer pour continuer le jeu, mais ça rajoute du petit bonus, tu vois. Alors, je vous préviens, si vous votez vert, je le mettrai pas, parce que bon, Saint-Etienne, je suis lyonnais, tout ça, bref. Alors, je déconne. Allez-y. Jaune, orange ou vert. On va voir à quel point vous avez mauvais goût. Moi, je reste sur orange, perso. Alors, attends. Ok, y a personne ici. Oh, c'est sympa, là, les petites... Il y a un mec qui siffle. You're in the wrong place, my friend. Mais non, mais mec, c'est toi qui siffle aussi là. Aïe aïe aïe! Mais arrête de siffler là, de... Mais il me suit ce con! Attends. On va le semer. Ok, je l'ai perdu. Oh merde, ils sont deux maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des va-et-vient? Ok. Ah ouais, faut vraiment la jouer sneaky. Il a dit que l'IA des cultistes là, il a dit que c'était le truc le plus dur à faire. Ok. Ok, on est bon, il s'est barré. J'adore le petit sifflement, c'est stylé. Il a bu un peu trop, mais j'ai l'impression que les persos en général ont bu un peu trop de holy dans ce jeu. Il doit être de retour dans sa taverne là. Merci beaucoup Mick pour le follow. C'est énorme. Hein. Ok. Oh, il y a un œuf. Oh, let's go, j'ai pris l'œuf. Ouais, oh yo. Attends, je veux juste des débris, mec.
Ah, cassos! Aïe! J'y suis pour rien! C'est Mamanovitch! On va la semer, je crois, non? Non! Oh putain, putain, putain. Vite, 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 de retour au train, baby! Ok, je pense qu'on l'a semé, je pense qu'on l'a semé. Coupe la musique. Ok, y'a quoi ici? What? Attends, je peux pas le semer? Il peut pas rentrer, ok. L'exploitation minière se déroule sans heurte et nous voyons déjà les signes d'un filon solide. Les outils tiennent le coup et nous avons fini de construire notre abri. Nous ne sommes ici que depuis peu, mais notre installation se déroule bien. Notre rythme et calendrier de travail commence à être rodé. Ok, donc là il m'attend. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le shooter avec mon train. Attendez. On sait qu'on peut lui mettre un doigt dans le fion. Ferme-la, ferme-la ou je te crame. You little bitch! C'est toi qui as tué mon papy! Pardon. Oh, il a abîmé mon train! Il a abîmé mon magnifique train! Mon train vert! Oh non mais chat, c'est dégueulasse en vert! Merci Doigt. C'est dégueulasse en vert. Me dites pas qu'en vert c'est joli. C'est dégueulasse. T'as de la chance, je peux pas te teabag toi. Putain, mais en plus t'es habillé n'importe comment là. Non, arrêtez, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Vous voulez du vert, vous claquez votre Oli, la nouvelle Oli là, point d'exclamation Oli. Ça ouais, mais en vert c'est horrible. Regardez en jaune, il est beaucoup plus stylé. En orange. En orange, il est méga stylé. C'était quoi le résultat du sondage, modération, s'il vous plaît? Alors, ça c'est bon. Pourquoi il est rouge, mon train? Ah non, ok, ça change la couleur aussi. Ok, prochaine mission. On va se faire les deux missions ici, je pense. Donc on va faire demi-tour. On va faire demi-tour. On va faire demi-tour. C'était vert à 69? Putain, on fait chier. C'est dégueulasse le verre. On va réparer vite fait notre train. Ok, je sais pas ce qu'il faut faire avec l'œuf. Ok, on est bon. Là, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu, je suis addict. Je suis addict. J'ai déjà fait ici. Hein. Ouais, j'ai déjà fait. C'est elle qui m'avait donné la clé de la mine. Et là-bas, j'ai déjà fait aussi. On va aller jusqu'au panneau. Et je pense qu'on y est bientôt. Pas de chouchou de Charles à l'horizon pour l'instant. Bah, je pense qu'il y a toutes les couleurs primaires. Hein. Il doit avoir le rouge, le violet. Le... Vous voulez qu'on aille checker la maison isolée en bas direct? Elle est loin, hein. Vous voulez qu'on aille checker la maison... Attends. Isolée, là, tout en bas? Vous pensez que ça vaut le coup? Faudrait qu'on s'arrête là, faudrait qu'on court, c'est assez loin, quand même. Hein. Rose, je suis sûr qu'il y a Rose, bien sûr. Est-ce que vous voulez qu'on continue l'émission ou qu'on aille checker ça? Dites-moi, mettez un 0 pour continuer la mission, mettez un +1 pour aller checker la maison. Voilà. Comme ça, je verrai à peu près... ce que vous préférez. Là, je pense qu'il n'y a rien. On a déjà fait ici. Qu'est-ce qu'on a? 0, plus 1, plus 1, 0, plus 1, plus 1, plus 1. 0. Ah, c'est serré. Ah non. Non, non, il y a quand même beaucoup plus de plus 1. Ok. Ok, ok, ok. Voilà, c'est vous qui décidez du gameplay ce soir. Désolé à tous ceux qui ont mis plus 1. 0, pardon. Mais le plus 1 l'emporte. C'est risqué. J'avoue que c'est risqué. Mais bon, c'est le chat qui décide. Ok, il faut qu'on s'arrête ici. On s'arrête ici. Il doit avoir un chemin normalement. Ah, ça doit être là. On est bon ou pas?
Ok, on est bon. Let's go. Écoute, on va voir. Si on meurt, on meurt. Au moins, on verra ce qui se passe quand on meurt. Ok. Mais je pense que t'es timé. Tu dois être timé. Si tu t'éloignes trop, peut-être qu'il vient te choper. Putain, tu m'as fait peur. Attendez, je vais le marquer sur la carte. Le fait qu'on puisse marquer la carte aussi, c'est trop bien, je trouve. Ok. Il y a de la lumière. Ça va, c'est pas si loin. Merci beaucoup, Judy, pour les 250 bits. Merci, Dwao, pour les 300 bits. T'imagines, on débloque un truc de ouf? Imagine, on trouve, je sais pas, 50 débris. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bonjour. On a un coffre. Quelqu'un de l'équipe vient de réparer mon radeau. Impossible de me risquer à t'atteindre. Ils reviendront d'un moment à l'autre. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'emmener avec moi, mais sois assuré que je t'enverrai de l'aide pour vous évacuer de l'île, toi et les autres, dès que j'atteindrai le continent. Avec tout mon amour, Diane. Oh, quel boss. Oh là là. 6, c'est pas mal. 7, il y en a un dehors. Ok. Je trouve ça limite dommage que ça soit que des débris. Attends, il doit avoir un truc en bas. Je sais pas si on est timé. Là. On dirait des Lego un peu, les débris, non? On a une couleur. Il y a du sang. Il y a pas une petite couleur de train là? Là, il y a du débris. Ok, du débris. Bah très bien. En vrai, un train RGB avec du water cooling. En vrai, c'est sympa de visiter. Du débris. Ok, on est bon. Bon bah let's go. Hein. Il est où mon train? Il est là. Oh, vert. Non mais vert, chat. Respectez-vous, s'il vous plaît. Attendez, on voit les débris sur la map? Ah non, c'est le coffre. Ah, on peut voir les coffres. Est-ce qu'on le voit, le coffre, ici? On le voit pas. Et je vais rester sur le chemin, au cas où il y ait des débris. Lance-flamme en Bluetooth. Hein? L'environnement donne envie d'être exploré parce qu'en fait c'est ultra... Comment tu dis ça? Rythmé. Ça bouge bien, ça rame pas, ça, tu vois. C'est dynamique, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est dynamique. Donc en vrai ça dérange pas du tout. J'ai 26 débris, je vais augmenter la vitesse. Ça m'a l'air pas mal. Alors maintenant, ce qu'on voulait faire, c'est on voulait aller là et faire ça. Let's go, baby. Et je pense que Chouchou va pas tarder à arriver, là. Point d'exclamation jeu, si tu veux le nom complet du jeu. Il est sorti aujourd'hui. N'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Il y en a pour entre 3 et 6 heures, il a dit. Ça dépend un peu de si vous faites les missions annexes, tout ça. Ok, là, j'y suis allé. C'était notre première mission, ici. Miss clic sur le pot orange, ça peut arriver à un accident, c'est vrai. Mais je ne vais pas changer puisque il faut que vos choix aient un impact et donc il faut respecter vos choix. Vous avez choisi vert, c'est de votre faute. Est-ce qu'on a quelque chose à explorer par là? Non, y'a rien. Sur la côte, là, y'a rien. On a... Ouh, attendez, y'a un truc, là. Ici, on a un truc. Bon, on ira plus tard. Alors. Merde, j'avais déjà changé. Ouais, j'avais déjà changé. Ok, let's go. On va marquer sur la carte le PNJ.
Putain, c'est trop bien. Oh putain, il arrive. Il arrive, il arrive, il arrive. Il est là-bas. Je vais changer. Ah, ça le ralentit de ouf le lance-flamme. Ok, je rechange. Wow, wow, wow. Ok, il faut changer. Nick, nick, nick. Let's go, baby! Allez, rentre chez ta mère là! Attendez, on va arrêter. On va revenir en arrière. Merci à tous. Et il nous a fait pas mal de dégâts quand même, mais ça va. Merci beaucoup Kagutsu pour le sub. Philippe, je sais où tu te caches. Ah, attends. Sors de là que je te bute, enculé. On est allé où? On est où là? Merci énormément Douar. Ok, faut revenir encore pas mal en arrière. Ça, c'est parce qu'on a un train vert, chat. C'est de votre faute. En vrai, si le vert avait pas été fluo, ça aurait pu être camouflage. Ça aurait pu être pas mal. Du coup, tu vas l'appeler comment, ton train? Je sais pas, c'est vous qui décidez. Ta gueule! Merci beaucoup, Edouard. Comment tu vas, Lynn? J'étais en train de lurk, je m'attendais pas du tout au chouchou de charge de la mort. C'est ça qui est bon. Le fait qu'il y ait un petit chouchou au loin, la musique qui se lance et tout, je trouve ça trop bien, moi. Vite, 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 faut éteindre. Saute! Hey, how you doing? You must be the archivist that Eugene told us about. J'adore le jeu, chat. Oui, c'est moi, c'est moi. We're happy you came to help us out of this predicament with Charles and that madman Warren. Okay. You know, that old train of yours will need some major upgrade. Ah, attendez, est-ce qu'il va nous filer un truc? Une couleur, une arme? There are some metal scraps in my key of the barn. Ok. Donc toutes les missions secondaires, c'est pour trouver des débris en vrai. C'est un peu simpliste, mais ok. Ok, là y'a rien. Et y'a rien. Elle est où? Elle est où sa grange du coup? Oh bah elle est pas loin. Elle est là. Okay. On va avancer un peu le train. Bon, tu vas Flow Time, salut Karsine, des bisous à tous ceux que j'ai pas vus. Ah, ça pique trop les yeux, chat, je suis désolé. Hein. The Holy Train, on peut l'appeler le Holy Train, ouais, ce serait cool. Merci beaucoup, Satan. Je te dois un chouchou, Satan, merci beaucoup pour le sub offert, tu régales. Je te dois un chouchou. Monsieur Tipchou. Alors. 9 débris, c'est tout? C'est pas ouf. Ah, attendez, il y a un truc là. Nourriture pour poulet, nourriture pour chef, finalement, barre, tout ça. Pourquoi de la nourriture ou des barrières pour des animaux qui ont déjà été dévorés? C'est pas faux. Y a pas un petit coffre, un petit truc là? Je pense que les missions secondaires, c'est surtout pour le lore en vrai. Eugène avait certes promis d'envoyer de l'aide lorsqu'il aurait atteint le continent, mais sans évoquer le fait de revenir pour autant. Il est sans doute du genre à mettre de côté les détails cruciaux d'un plan. Tout à chacun essaie de trouver une manière de s'en sortir sur cette île, et je ne peux qu'espérer que son ami l'archiviste, donc nous, soit une sorte de magicien. Peu importe ce qu'ils ont pu faire d'étrange par le passé et la manière dont ils comptent s'y prendre, tant que Charles ne s'en remet pas. La plupart des gens du coin pensent la même chose, mais certains ne lui souhaitent aucun mal. Ce maudit Warren a perdu la tête. Ok, donc Warren, il est team train, quoi. Merci, Douao, pour le sub offert à Holy Train. Je te dois un chouchou aussi. Attendez, on va visiter un peu derrière. Il m'a dit. Il n'y a rien. Est-ce qu'on a quelque chose? C'est quoi ce son? Ah, attendez. Attendez, c'est le train? Qu'est-ce qu'on fait, chat? On va voir le son ou pas? Est-ce qu'on a des trucs par là? J'adore la map, je trouve qu'elle est trop bien faite. Je trouve vraiment qu'elle est trop bien faite.
Il y a l'air d'avoir des trucs ici, hein. Des feux de camp et tout. On va voir le son. Ah, ça s'éloigne, ça s'éloigne. Ok, c'est juste un son d'ambiance. C'est bizarre. Hein? Attends, peut-être pas. Si, si, à mon avis, ça s'éloigne, chat. Il est là, mais je vois rien. Ouais, non. Non, non. C'est un piège. Let's go, baby. Allez, on est parti. On va où, là? Oula. Ça, c'est fait. On va aller ici. En vrai, on est pas mal. On est pas mal. On va aller... il faut qu'on fasse ces missions après. On est pas mal, on est pas mal. Est-ce qu'on a des trucs à visiter par là? Ça a pas l'air. Ok, let's go. Oui. Alors. Ça sent le traquenard un petit peu, on est d'accord. On est d'accord. Bah, la mine, de toute façon, elle est fermée la porte. Il faut qu'un PNJ me donne la clé, donc... dans tous les cas, ça change rien. Oula, oula. Ça va, madame? Vous avez l'air possédé un petit peu, madame. Laissez-moi fouiller chez vous d'abord. Elle s'est fermée. Les cornichons sont amour. Les cornichons sont la vie. J'aime les cornichons. Ils sont mon petit bonheur. Cornichons, cornichons, cornichons. J'adore les cornichons. C'est peut-être la meilleure note de tous les temps. Énorme. Ah non, mais arrêtez, arrêtez. Me dites pas que vous êtes le genre de personne qui enlève ces putains de cornichons dans vos Big Mac là. Oh, respectez-vous, laissez les cornichons dans les burgers. Putain. Ah mais en plus, elle adore vraiment les cornichons. Merci beaucoup Judy pour le sub offert à J'aime les cornichons. Non mais Marco, toi t'es toujours là pour me casser les noisettes. Dans ma secret jar of pickles locked away inside my pickle. Remets le train en vert, mais non, elle va le bouffer. I would have gotten them hours ago, but I lost my pickle key. Someone else on the island might have some locked pickles. I mean, locked pickles. Marvin, t'es pas en position de force, Marvin. Y'a pas d'ananas sur une pizza. Sinon, ça s'appelle pas une pizza. Tu laisses les cornichons, mais t'appelles pas ça une pizza si tu mets l'ananas. Ok. T'appelles ça comme tu veux. T'appelles pas ça une pizza. Alors. Elle est cornichologue, bien sûr. Alors attends, faut aller où? Oh, mais ils sont loin sa mère, les cornichons! Bon, bah écoutez, on est parti, hein. À la pêche aux cornichons, mesdames et messieurs. Dans la grotte à cornichons. Bah, let's go. Let's go. Alors attends, là-bas. Et j'espère qu'on va pas tomber sur Chouchou, hein. Et j'espère au moins qu'on va trouver une couleur ou quelque chose. Bah écoute, randonnée, c'est bien, ça change un peu le gameplay, c'est cool. Oula, c'est quoi ce bruit? On dirait un bruit de soucoupe volante, mesdames et messieurs. Ah, tu vois, c'est un bruit random, il y a encore le bruit là. Alors attends. Y'a pas. Là, petit débris. En vrai, le jeu, mesdames et messieurs, est tellement. On va dire, what the. Oh! Oh! Pardon, la meilleure couleur du monde. On a trouvé la meilleure couleur du monde. J'ai rien d'autre à dire. Il y a même pas besoin de sondage. Il y a même pas besoin de sondage. On a trouvé du violet. Cornichon. Cornichon. Corni.
Et cornichons. Oh non, mes cornichons. Le bleu c'est mieux. Ah, c'est pour ça que t'as une canette bleue. C'est quoi? Ah, c'est les cornichons. Attendez. Putain, j'en reviens pas. Non, mais c'est trop bien. À votre avis, la fin, du coup? Moi, je... franchement, je verrais bien des aliens. Je verrais bien des aliens à la fin. Les œufs, c'est bizarre. Je verrais bien des aliens. Attends, au niveau de la map, il faut qu'on retourne. Qu'on retourne ici. Sacré cornichon. On va passer par la montagne un peu là. J'avoue, il y a plein de caisses d'explosifs, il les prend pas. Par contre, il fait un temps de merde ici. Hein. Je sais pas pourquoi ils vivent sur cette île d'ailleurs. Des bisous Kaya, merci pour la lurk. J'espère que vous kiffez déjà. Passez une bonne soirée. Dites-moi si vous voulez qu'on accélère hein, et qu'on arrête les missions secondaires. Alors, cette histoire de cornichon. Des bisous à tous les gens de l'ombre. Comment tu vas, Claude? T'aimes les cornichons, Claude? Petit sondage de modération. Est-ce que vous aimez les cornichons ou pas? Juste pour voir. Combien elle nous a donné? 57! Oh, c'est bon, ça! Ah, oui, 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 oui. Ouais, j'avoue que c'est pas le plus beau violet, mais... j'aime bien. J'aime bien. Ah, je sais pas. Jaune, jaune, j'aime bien le jaune aussi. Hein. On va le laisser violet, histoire de dire en hommage à l'Egidia. Voilà. Alors, on a 57 débris. Est-ce qu'on n'augmenterait pas la vitesse au maximum? C'est mieux que le vert, on est d'accord. Merci, Edouard. Merci beaucoup. Est-ce qu'on n'augmenterait pas la vitesse au maximum, chat? Alors, attends, il y a combien de couleurs? Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Je dirais qu'on peut mettre 3 pots là, non? 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, 12 couleurs. Il y a 12 couleurs. C'est pas mal, 12 couleurs. Je pense que... on va augmenter la vitesse. La vitesse, ça a l'air cheaté en vrai. La vitesse, ça a l'air cheaté. Deux fois la vitesse... 3 fois la vitesse? Ah non, on peut pas, il faut 24. Dégâts ou armure? Dégâts ou armure, chat? Pour la dernière. Merci, dragon, quand tu as. Ah oui, attendez, je dois des chouchous à des gens là. Dégâts? Ok. Dégâts. Alors, on va aller. Vous m'avez dit quoi sur les missions secondaires? Est-ce que vous voulez qu'on continue les missions secondaires ou on tape sur... On priorise, ça se dit les missions principales et les armes. Ou on reste sur des missions secondaires? En tout cas, tant qu'elles sont sur notre route, on les fait, quoi. Secondaire? Ok. On va se faire celle-là, du coup. Histoire? Ça se dit, tout à fait. Ça se dit, ok. Armes? Ok, donc voilà. Ce qu'on va faire, je pense, c'est on va faire cette mission-là. On va partir de ce côté-là. On va faire les trois missions ici. Ok, comme ça, il y a un peu de tout. Et puis, sur le retour... je sais pas, on verra. On verra en vrai. On continue? Ok. Quand elles sont sur la route, on les fait. Ok, ok. Okay. Du coup, il faut qu'on aille... attendez, j'ai pas marqué. Si, j'ai marqué le truc. Okay. On aille jusque-là. Hey, merci beaucoup Satan pour les deux subs offerts. Merci énormément le train live, mesdames et messieurs. Merci beaucoup Judith aussi pour J'aime les cornichons. Merci Dwarf. Merci beaucoup.
Ok, attendez, là faut que je m'arrête. Non. Eh merde, faut que je recule. Je sais qu'il y a quelques conducteurs de train sur mon chat. Des bisous à vous. Ok, let's go. Oli cornichon. Non. Abusez pas, une Oli cornichon. Oh, le bruit quand il tombe. J'ai l'impression que le mec s'explose les rotules, quoi. Alors. Du débris. Je pense que le jeu, je vais le 100% en chat. Je sais pas si je vais le faire en live. Ou en tout cas, là, en. Du premier let's play, quoi, d'un coup. Philippe, j'ai envie de le 100%. Sors de là que je te bute, enculé. Ta gueule. Merci énormément. Il y a un truc dessous. Ah, c'était sûr. Il y a toujours des trucs cachés dessous. Je peux pas aller dans l'eau. Merci beaucoup Snowden pour les 400 bits. Des bisous à toi Snowden. Merci énormément. Alors qu'est-ce qu'on a ici? J'ai prié pour que quelqu'un ait la présence d'esprit d'envoyer un autre bateau. Ils ont certainement songé que le bateau de ravitaillement de Georges, le fasciste de merde, continuerait d'en évacuer. Ils se sont confortablement installés sur le continent et ne se soucient guère de savoir qui d'autre pourrait s'échapper. Un bateau coulé par Charles n'est pas nécessairement la première chose à laquelle on pense, mais tout de même, rien qu'à songer que je ne serais déjà plus là, ça me rend malade. Oh putain, Tutis, t'as changé de couleur toi aussi? S'il te plaît, fais pas ça, Tutis. J'ai déjà du mal avec Moegi qui a la même couleur que toi. Ou alors... Bref. Il y avait pas un pot dans le premier abri? J'ai cru voir ça, mais je crois pas. L'abri là, tu veux dire? Non. Je pense que je l'aurais vu. Non. Tu parlais d'ici? Non. Vous avez le droit de me backseat si je loupe un pot de peinture. Oh, capitaine! My goodness, the others actually convinced someone to come. Capitaine, je suis là! Il est un peu rébou. Il est excellent, Rax. Il est excellent. Ok, il faut qu'on aille chercher son journal. Ok, il faut qu'on trouve son journal. Attendez, je vais ramasser tout le bousin. A mon avis, tu vas attendre un moment, Coco, hein, qu'il y ait un bateau qui arrive. Hein. Je veux pas te faire peur. Hein. Mais je pense que tu vas attendre. Alors, il est où son truc? What? Non, mais tu fiches mon girl! Oh, c'est loin! Ok, on va faire la mission en même temps, je pense. Oh, c'est loin! Attendez, est-ce qu'on a d'autres trucs à visiter, là? Y'a rien? Ok, y'a rien. Y'a rien. Attendez, y'a pas une grotte? Ah non, je croyais que c'était une grotte. Attendez, j'ai cru voir un coffre. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi les deux trucs? Je vais aller voir ce que c'est. Ouais, le cadrage du Hitchcock. Bah écoute, on y retournera quand on y retournera. On n'est pas à la dèche niveau débris, donc en vrai ça va. Les deux trucs jaunes, c'est quoi là? Mais non, c'est des débris. Donc en fait, si tu fais attention... Attends, faut que j'enlève cette croix à la con là. Elle est où? Si tu fais bien attention, tu peux voir les débris. Ok, là il y a une caisse, il faut y aller. Ah putain, c'est cool ça. Là, j'ai loupé des débris, tu vois, je pense. Ah, ça, j'aime bien. Ça, c'est les petits détails. Là, j'ai loupé un débris aussi. Là aussi. Ok. Ça, c'est les petits détails qui font plaisir. Ah, attends, il y en avait un là, non? Yes. Il y en a un là-bas. Et j'ai la flemme. C'est normal, c'est pas une carte, c'est une vue de dessus. Ouvre-toi! Ok. Qu'est-ce qu'on a ici?
Qu'est-ce qu'il dit le Fisher? Le rose te va tellement mieux. Mais ouais, le rose c'est stylé. Ouais, s'il vous plaît, les modos, vous choisissez la couleur que vous voulez, mais ayez des couleurs différentes, s'il vous plaît. Parce que moi, je vous repère à la couleur, pas au pseudo. Le déchargement de toutes les fournitures a été une expérience incroyablement révélatrice. Ici, au port, nous avons travaillé toute la journée, tous les jours. Nous sommes chargés de décharger le bateau et transporter les fournitures sur la colline, jusqu'à atteindre les voies. Théodore, paix à son âme, et Eddie les livrent ensuite aux différents sites que nous allons miner. Le coût de toute cette infrastructure est dantesque. Compte tenu du succès de la famille de Warren avec cette entreprise, je suis surpris qu'ils choisissent de prendre un tel risque. Le rose n'est pas populaire. Et mon let's play complet sur Star Wars, le dernier Star Wars là, il est sur YouTube. Je fais tout le jeu avec un poncho rose, ok? C'est le plus beau poncho de l'histoire des ponchos. Jaune c'est pas mal. Alors attends, qu'est-ce qu'on doit faire? Du coup, là, il y en a un ici que j'ai oublié. Est-ce qu'on a des trucs à visiter? Je pense que... Qu'est-ce qu'on fait, chat? Je pense qu'on va partir à droite, faire les trois missions ici. Et ensuite, on reviendra ici. On ira à pied chercher ça, peut-être. Ou alors, on reviendra en arrière. Ça m'a l'air pas mal. Parce que là, je vous avoue que j'ai un peu la flemme d'aller chercher le truc. Je pense qu'on va faire ça. Faut tourner à droite. Bon, tu vas t'inouïr. Le bleu, c'est mieux car c'est une référence au fromage. Putain, j'ai mis. Je l'avais pas comprise tout de suite, celle-là. Alors, est-ce qu'on a des trucs sur la route? Ici, il y a un cabanon abandonné, chat. J'ai envie d'y aller. Il saute là, j'adore. Ok, il y a l'air d'avoir des débris partout où il y a des lampadaires comme ça. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une vieille décharge. Oula, il y a carrément des pics et des... Bonjour. Wow. C'est quoi ce truc? Excellent. Ah, c'est dommage, je peux pas le prendre. Attends, c'est quoi? On a trouvé un secret, chat. Putain, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, tu vois même les oiseaux et tout, c'est trop stylé. Attends. Merde! Comment? Attends, il se ramène? Comment je fais? Je pense que je suis safe dans la cabane. Il est où? Il est là-bas. Ah, donc en fait, il se balade random sur la map. Et faut faire attention, quoi. Mais là je pense qu'on est safe. Hein. Il y a du barbelé et tout. On l'a vu passer. Hein. On l'a vu passer. Il est là-bas. Attends, il va pas aller défoncer mon train pendant que j'y suis pas? Fais voir la map. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il aille défoncer mon train. Ok. Alors, attendez, on a trouvé un secret, chat. On a trouvé un secret. Je suis curieux de ouf, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est un secret. Oh, un coffre. Nice. Et là, c'est fermé. Oh, merde. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans le coffre, à votre avis, est-ce qu'on a une couleur ou des débris ou... Une arme cachée, peut-être? Des débris. Oh, pas mal. Ok, je pense qu'on pourra y aller plus tard. Malheureusement, on n'a pas la clé. Le problème, c'est comment on va retourner à notre train, chat.
Il est là-bas, on l'a vu passer. Je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu. Attendez, est-ce qu'on a un truc ici, là, sur le piédestal? Là, là, il... Oh, il fait flipper, ce con. Oh, il est là. Fuck. What? Ow. Mais... Oh. Ah ouais, zéro pitié. En même temps, c'est réaliste, hein, parce que quand tu vois Eugène, au début, il s'est fait défourailler le pantalon, là. Holy shit. On perd 3 débris, on réapparaît au train et on se prend une petite page de pub. Ok. Ah ouais, donc faut vraiment faire gaffe. Le jeu sauvegarde automatiquement pendant que vous jouez, reprenez là où vous êtes arrêté quand vous le souhaitez. Ok, ça c'est cool. Donc là je suis dans mon train. Est-ce qu'il a sauvegardé le... il a sauvegardé, je pense. Donc en vrai on n'a pas besoin d'y retourner. Ça je sais pas ce que c'est. Là, il y a un débris. Ok, on va aller là-bas. Mission d'armes. Enfin, en vrai, 3 de débris, ça va. 3 de débris, ça va. On a 37. On va prendre la vitesse encore. J'aime bien la vitesse. Let's go. Ah oui, il rigole pas. Hein. Je pense que plus tu meurs, plus tu perds des débris, je pense. Qu'est-ce qu'on a là sur le chemin? Là-bas, là-bas, il y a un truc. Oh putain, j'ai envie d'aller voir. On va voir. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé, on y va vite. Je sais pas si c'était le bon move, mais... Et là... Là, il y a des débris. Okay. Oh, il y a un coffre. Je crois que c'est un coffre en haut. Il y a du jaune. Il y a du jaune. En vrai, c'est rentable. Si tu perds que 3 débris, c'est rentable, tu vois. Rien que sur le trajet, on en a ramassé plus que 3. Donc en vrai, c'est pas mal. Après, le problème, c'est si tu perds de plus en plus de débris, là, par contre... Tu vois, si ça double à chaque fois. Ok, donc c'est bien un coffre. Merci énormément, Zanarco, pour le 6e mois. Je te dois un chouchou. Ok, let's go. Qu'est-ce qu'on va avoir? Petite couleur? Non. Il y a du débris. Bon bah let's go, hein. On retourne au... Ouh. Oh ouais, j'aime la douleur. Non, c'est pas là que je dois aller, c'est où il y a mon train. Ah et donc, vous avez vu chat? Il en a eu absolument rien à foutre des barbelés, hein. À mon avis, je vais perdre de plus en plus de débris. Ouais, je suis d'accord. Et à mon avis, on va le voir de plus en plus souvent aussi. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'on le voit, hein, de plus en plus. Ok, c'est juste là. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on va débloquer comme arme, chat? On a un lance-flamme, on a une mitrailleuse. Un petit lance-roquette. Ce serait stylé. Oh, attendez, c'est quoi ce truc à votre avis? C'est un lance-roquette? Oh, Bob! On va l'appeler Bob parce qu'il a un Bob. C'est rigolo et j'aime bien. Attendez, attends Bob. Attends, t'as sûrement des trucs à l'étage. On dirait un teuteux un petit peu. Je suis indécis sur le fait que Warren nous ait obligés à amener nos familles dans cet enfer de sorte que nous ne puissions jamais nous échapper. Ou pour garder les informations sur ses pratiques commerciales loin du continent. Quoi qu'il en soit, je veux voir cet homme au bout d'une corde! Paul m'a demandé de concevoir une nouvelle arme pour le chasseur de monstres que Gene envoie, sachant ce que je suis un spécialiste des explosifs. Vous imaginez bien que j'ai conçu un lance-roquette. Vous imaginez bien que j'ai conçu le lance-roquette le plus puissant possible. Warren, tu n'as absolument aucune chance, let's go baby. Merci Edouard. Bonjour. Attendez, il y a du lore là? Ah non. Attendez, par contre, est-ce qu'il faut payer? Il faut payer, monsieur? Paul asked me to design a new weapon to help you hunt Charles. And using my extensive on a vu tous les porcs. Bien sûr, des bisous à tous les gens qui ont des porcs. Ok.
Okay. I've been wanting to see Warren's empire crumble for a long time. So building this puppy was a hell of an opportunity. Okay. Now that you're here, I need a few minutes to remove some safety features. Retirer certaines fonctions de sécurité. While I'm working on that, why don't you bring that box of rocket ammunition back here from inside the bunker? Ok, faut qu'on aille chercher des munitions. Alors, elles sont où? Ah putain, c'est là qu'il y avait Charles tout à l'heure. Elles sont dans le bunker ici. Ok, je regarde vite fait si on a des coffres. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de coffres. Ok, let's go. Est-ce qu'on y va à pied ou est-ce qu'on... Je pense qu'on va approcher le train parce que je sais pas pourquoi je sens que Charles il va se ramener. Je vais aller fouiller là-bas vite fait. Ah, mais c'est trop bien un lance-roquette. On va fouiller un peu. Attendez, c'est la mission secondaire ça. Ah non, c'est la mission principale. On va pas la faire tout de suite du coup. On va d'abord aller chercher le lance-roquette. Ouh putain, j'avais loupé une caisse. Xemouth! Merci pour ton follow, Xemouth. Putain, ce jeu est trop addictif, chat, j'en ai ras le cul. Je prends trop de plaisir, là. Je crois que ça se voit, hein, que je prends beaucoup de plaisir. Ok, on va rapprocher un peu le train. Oh, il y a un phare là-bas, il faut y aller aussi. Ok. Regardez-moi. Encore un peu, encore un peu. Oh là là, c'est parfait. El Matador. J'ai combien de débris? 37, c'est pas mal 37. On va pouvoir, hop, augmenter à fond. Let's go baby. Alors. Oh, j'ai de la dynamite. Alors, j'ai récupéré de la dynamite, je sais pas à quoi ça sert. Mais c'est toujours un bon signe. Ok, les roquettes sont là. Donc attendez, j'ai loupé des débris. Vous avez pas envie que le jeu dure 20h? Vous avez pas envie qu'il y ait une autre île avec un autre train, des nouvelles armes et tout? Que ça devienne un jeu en multi? Oh putain! Ok. Stylé le bunker. Un jeu où tu joues Charles, ce serait stylé je trouve. Merde, ça va péter. Aïe. Mais il a dit qu'il allait avoir du contenu en plus gratos. Hein. Il l'a dit. Oh, ça sortira sur console. Version 1, échec. Version 2, échec. Version 3, vol de 13 secondes. Version 4, succès. Okay. On a les roquettes. Il faut qu'on retourne voir John Smith. Incroyable. Alors, là-bas, il y a du truc. Bon, bah écoutez, let's go. Let's go, let's go. Tu vois, il a mis... Je pense qu'en moins d'un an, il aurait pu faire le même jeu. Mais je pense qu'il aurait pas été aussi... comment t'appelles ça? Poliché, comment vous dites-vous? Parce que là, le jeu est vraiment bien fini. Ça fait plaisir, enfin, d'avoir un jeu qui sort et qui est fini. Il n'y a pas de bug. Tu vois? Non, pas détaillé, plus polish, quoi. Tu vois que le jeu tourne bien, il n'y a pas de chute de framerate, c'est bien optimisé. Tu vois ce que je veux dire? Il est raffiné, raffiné. C'est pas le mot que je cherchais. Des bisous, Lynn. Bonne nuit. Passez une bonne nuit. The launcher is in complete working order. Let's go, baby. Let you take it from here. Okay, let's go, let's go, let's go. Oh, and take good care of it. T'inquiète. I have a few people to visit with it if you catch my drift. Mais dis donc, mais t'es un queutard, mon ami. Y a pas de mal à ça, mais ça va, ça me regarde pas. Mesdames et messieurs, regardez, il est juste là. Il est juste là, mesdames et messieurs. Dégâts portés. Ça le ralentit pas? Sérieux? Oh, c'est stylé! Attends, en fait, je veux juste voir s'il surchauffe. Il a pas l'air de surchauffer.
Ok, ça surchauffe pas, par contre c'est lent du fiac. Et ça le... Merde. Je comprends pas que ça le ralentit pas par contre. Ok, il nous reste une quatrième arme à débloquer. Ok, il faut qu'on aille voir lui. On va s'approcher un peu, on est des flemmards nous. Putain, le train accélère super vite. Hein. Par contre, dégâts maximum, ça fait plaisir. Ok. Vu le kiff intersidéral, on va peut-être le finir ce soir, chat. Mais je vous le mettrai peut-être en deux parties sur YouTube, je sais pas. Mettons que le gameplay, là, il fasse 4-5 heures. Préfère en une partie ou deux sur YouTube. Mais monsieur, vous êtes tout nu? Et vous êtes chauve? I'm sure Eugene told you all about me, so I need not introduce myself. Name's Greg, by the way. Une partie? Deux? In case you haven't heard already, Warren, the mind boss, is keeping three monster eggs locked away. Le chef, ok. We're unsure why he wants to protect. Ça fait plus de thunes? Non, c'est pas forcément vrai, Zelcro. They would surely turn into monstrous creatures like Charles. To prevent this, we need to steal all three. Oui, mais ça, on nous l'a déjà dit qu'il faut voler les trois œufs. Ah, je pense qu'il nous réexplique le truc, chat, parce que comme en fait on peut faire les missions dans l'ordre qu'on veut. Un ou deux, peu importe, c'est trop bien, ok. Tu disais que tu voulais pas faire de vidéo YouTube en plusieurs parties. En fait, le truc, c'est que moi, j'essaie de vous sortir qu'une vidéo par jour. Et le truc, c'est que plus je vous fais de parties avec les jeux, plus ça te fait vidéo par jour. Donc il y a des jours, il y en aura deux. En fait, le fait que ça soit en une ou deux parties, ça change absolument rien pour moi. C'est juste que ça fait sortir plus de vidéos dans la journée, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Putain, c'est loin. Ok. On va faire cette mission-là. Comme ça, on va aller voir le phare. Ça me donne envie. On va rester le long de la route parce que c'est là qu'il y a l'air d'avoir des débris. C'est joli, hein. Parce que même en sortant une vidéo par jour, j'ai du surplus, tu vois. Donc moi, je pars sur une par jour, et quand j'ai du surplus, des fois, j'en sors deux. Quand j'en sors deux, généralement, je les sors vers 10h du matin. Comme celle des glitchs, là. Si vous avez pas vu, je vous ai trouvé un nouveau safe spot sur l'asile. Vous êtes invulnérable! Oh, c'est quoi ça? Attendez, il y a des trucs là. Attendez, il y a des trucs. Oh, il y a masse de trucs. Ah, ça doit être pour la mission. Okay. Bon, tu vas Léa, tu vas bien? Salut Bloody. Salut Nini. Salut Golmirod. Fignolé. Pas mal, fignolé. Ok, je pense qu'il faut trouver des fusibles. Alors, surveillance de l'océan jour 68, merci d'en donner une copie à Paul. Je suis sorti pour faire une inspection routinière du phare lorsque j'ai aperçu cette bête, Charles. Il m'a repéré et a chargé tout droit sur la colline dans ma direction. Ce train araignée est un monstre hideux. J'ignore pourquoi Warren insiste pour que nous restions sur Aranearum au lieu d'essayer d'échapper à la créature. Donc ça doit être le nom de l'île, je pense. Il est sans doute devenu fou en imaginant qu'il pouvait gérer cette situation tout seul. Charles m'a couru dessus en me piétinant la jambe. Je ne pourrai pas assister à la prochaine réunion et j'ai demandé à Greg de rapporter une copie de vos notes, si cela est envisageable. Signé Claire. Bonjour Claire. Wow, t'as pris cher Claire. Une partie, deux parties, 50-50, merci à tous. Donc je vais faire comme je veux. We haven't met, but I've heard lots about you coming to help us. Je viens ici pour déstresser. Demain, j'ai des partiels de médecine. T'inquiète, Léa. Je m'occupe de tout. C'est gentil de passer. Alors, moi, ce qui me trigger le plus sur le sondage... Attends. Ok, il faut réparer ça. C'est pas le 50-50. C'est le fait qu'on soit quasiment 500, qu'il n'y ait que 40 votes. Ok, donc comme d'habitude, c'est pour des scraps. Ok. Ok.
Ok, let's go. Let's go. Ce jeu te donne envie de le speedrunner. Alors. Ok, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4. Oh putain, ils sont tous en même endroit. Ah ouais, il s'est pas pris la tête. Hein. Bon, j'avoue que les missions secondaires, c'est pas les missions les plus fun. Sauf celle des cornichons. Celle des cornichons, c'était une masterclass. Oh, t'aurais pu mettre un coffre là-haut. Il y en a un autre dans la cabane. No. No, no, no. Alors. FedEx. Ouais, ouais, c'est ça, c'est des quêtes FedEx. Bah écoutez, c'est pas grave, hein, on débloque des trucs et tout, ça. Ce qui est bien, c'est que ça prend pas de plomb. Ok, ça c'est fait. Ok, let's go. Pardon. El Matador. Non mais là quand même. Comment tu vas, Doc? Je suis la seule à qui l'image du live s'arrête mais pas le son. Je pense que ça vient d'un bug de la... Non mais je les connais, ces développeurs. Ils réfléchissent comme nous. On est des gens intelligents. On a la même façon de penser. Je pense que ça vient de ton appli Twitch qui bug sur télé. Ça m'arrive des fois. Fixing the lighthouse will definitely increase our chances of being spotted. Here are those scraps, I promise. Combien on a de scraps? 61, baby. 61, ok. Alors attends, mon train, il est où? Il est là. Est-ce qu'on a un truc à visiter? Ça c'est fait. Là, il y a un débris. La débris. Moi, c'est surtout des coffres que je veux pas louper, tu vois. Il n'y a pas l'air d'avoir de coffres ici. Les débris, on a quand même la dose. Là, il y a un petit hangar, je crois que j'y suis allé. Débris ici. Débris sur la plage. Ok, on va retourner au train. Le train est ici. On a un débris ici sur la route. Okay. Non mais arrête de faire des sondages, ça sert à rien. Okay. Là, il n'y a pas un truc. Let's go baby. Qu'est-ce que t'as gagné comme jeu? Allez, on est parti, mesdames et messieurs, on continue notre aventure avec notre petit train. Quelle mission va-t-on faire? Où cela va-t-il nous mener? Vous allez le savoir après la pub. Alors, qu'est-ce qu'on va-t-il qu'il faut faire? Il faut qu'on aille ici. Je pense qu'on va faire ça. On va peut-être prendre le PNJ. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va s'arrêter... On va s'arrêter au changement, là. Ici. Ok. C'est sur la route. Statue. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il est très bien, ce jeu. Il est incroyable, tu veux dire. Ok, là, j'y suis allé. Il va vite, notre train, maintenant. Ça fait plaisir. Ça, c'est pour Zanarco. Merci encore. Merci, Xemout, encore pour le follow. Attendez. Je pense qu'il va pas tarder, Chouchou Charles. Donc je vais augmenter un peu. Nice. Je pense qu'on est pas mal là. On est presque à fond, chat. Hein. On est presque à fond. Hein. Ok. Let's go. Jojo Fada. Mais quel animateur? Tu vas à la télé si tu... Ah non, mais je suis un animateur né, bien sûr. On est où au niveau de la carte, là? On va avancer encore un peu. Comment tu vas, Masterus? Ok, là, on est pas mal. Ok, let's go. Let's go. J'espère que Charles va pas se ramener. Sinon, on est un peu dans la merde. Alors,
J'ai fait le let's play complet sur YouTube de Statue. C'est un jeu, on va dire, qui est surprenant. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Des débris. J'adore comment on pique tout chez les gens, tu vois. Oh. Ah oui, le carnet du mec. Ok, on a le carnet du mec. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Je pense qu'on va aller visiter ça. Et après, on va aller voir cette mission. Là. Propose une Holly à Charles. Et il a pas l'air d'aimer la Holly, malheureusement. Ok. Ça doit être où faut poser les œufs quand tu les as tous, peut-être. On va aller là. Ici. Avec Thibaut ce soir, les 30 histoires les plus extraordinaires. Mais bien sûr. Mais j'ai toujours voulu faire de la radio, des trucs comme ça. On m'a toujours fait kiffer. Parce que j'adore parler. Bonjour. Say, you're that monster hunter. Oui, c'est moi, Sacha. I must know. Do you have any experience with ghosts? Ah oui. Alors là, mesdames et messieurs, vous pouvez lui dire à Sacha, mais nous, on a de l'expérience. On m'appelle l'immortel. Something has been pinning exactly 16 drawings to lampposts in the boulder field every night. I always collect and burn them, but as I was looking for them last night, I began hearing strange noises and seeing strange things. I only found half of them yesterday because OK, faut qu'on trouve 8 dessins. Fermé. Des événements étranges se sont produits dans le champ de rochers voisin au cours de la semaine. Je suis allé là-bas il y a quelques jours pour me vider l'esprit, comme je le fais souvent. J'ai trouvé un étrange dessin épinglé sur un lampadaire. J'ai décroché la page et je l'ai brûlé. Une des meilleures manières pour traiter du papier paranormal, selon moi. Wouh ! Ce sont deux autres dessins trouvés la nuit suivante, même conclusion. Hier soir, j'ai trouvé 7 dessins accompagnés de bruits horribles. Retournez là-bas, ne me dites trop rien. La conclusion la plus probable est que l'endroit est hanté. Peut-être par des membres d'équipage perdus, peut-être autre chose. Ok. Alors attends. Ouais, je sais que c'est là-bas, mais le problème, c'est que là, j'ai l'impression que Chouchou Macouille, il est... Attends, pourquoi il me le met là? Je l'ai récupéré, son journal. Attends. Eh oui, je l'ai. On va retourner vers notre train. Parce que là, avec la musique, ça pue un peu. Et j'ai pas envie de mourir. Le prix est à 19€. Le jeu, pardon. Ok, mon train, je crois qu'il est là-bas. Merde, il est où mon train? Il est là. Oh, j'étais pas du tout au bon endroit. Chouchou ma couille. T'imagines le train, il te sort ça? Eh, chouchou ma couille. Comment tu vas, Alex? Tu vas bien? Le jeu est excellent. Le jeu est excellent, 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 excellent. Non, la vidéo de FL2, on l'a fini dimanche, là. On l'a fini dimanche. Je l'entends. Attendez, il arrive. Putain, il arrive. Qu'est-ce qu'on prend? On teste le lance-roquette? Ouais, c'est trop lent du cul. On est rapide, ça c'est cool ça. Dès qu'il arrive, je le stoppe avec le lance-flamme. T'as vu comme ça le ralentit le lance-flamme? C'est vraiment la meilleure arme, je pense. Mais pour le plaisir, on va prendre la mitrailleuse. Je trouve que la mitrailleuse, ça reste la plus kiffante. Oh, le dégât qu'on lui met. Let's go! Alors! Il est où, là? Regarde ça, on a rien pris comme dégâts. Ça, c'est bon, ça. On va se mettre l'armure à fond. On est des ouf, nous. Non, mais oh, il se croit où? C'est notre territoire, ici. Merci beaucoup, Alex Game, pour le follow. Merci, Douard, pour les 300 bits. Attends, qu'est-ce qu'on a loupé? Oh non, en vrai, c'est pas mal comme ça. On refait tout le tour.
Non, tout le tour c'est peut-être un peu long. Faut qu'on aille. Ouais, je pense qu'on va refaire tout le tour, faut qu'on lui donne notre truc. Attends. Là, il y avait un truc. Oh, j'ai envie de tout fouiller, putain. J'ai envie de tout fouiller. Là, on y allait ou pas, chat? Oh, il y a l'air d'avoir des dingueries. C'est quoi ce truc là? Il y a des gardes? Attendez, il y a des gardes armés? Non, je pense pas qu'il faut y aller tout de suite. J'ai envie d'y aller, il y a un truc au milieu là. On dirait une pyramide à Inca ou un... Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas vu ça tout à l'heure. Ce qu'on peut faire... Le problème c'est que là on peut pas changer de rail, tu vois. Donc ce qu'on peut faire... C'est soit on fait tout en marche arrière... Et on va jusqu'au mec pour lui donner son livre. Des bisous Soka. Soka arrive, pardon. Soit on fait tout comme ça en marche avant. Là on n'a pas besoin d'y aller. En vrai, notre train va vite, ça devrait aller assez vite, je pense. Ou alors, on va visiter ça tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, chat? Est-ce que vous voulez qu'on aille visiter ça tout de suite? Ça a l'air assez grand, hein. Ça a l'air assez grand. Ah, il y a une porte. À mon avis, c'est fermé, faut une clé. On fait quoi, on visite ou pas? On visite? Ok. On va s'approcher un petit peu. Je pense qu'on va être bloqué. Un grand truc comme ça, sans que ça soit une mission secondaire, je trouve ça bizarre. Ok, il n'y a rien ici, c'est bizarre. Attends, ça veut dire qu'avec la map, on peut voir où c'est que le mec patrouille, en fait. Là, donc on voit qu'il est là. On l'entend même siffler. Qu'est-ce qu'il fait comme patrouille? Il tourne autour? Ok, il doit tourner autour, comme ça. Ok. Oh, c'est trop bien. La map comme ça en temps réel, c'est trop bien. Gare de train pro, mais bien sûr. Alors. Oh, c'est quoi ces masques de ouf? C'est dommage, c'est pas des collectibles. En vrai, comme masque d'Halloween, c'est ultra flippant. Hein. Déjà? Oh mais t'as une vision de taré toi. Ok, il me suit. Bon, c'est pas grave. On va monter. On va voir direct si c'est ouvert. Par contre tu cours trop vite mec. Ok, c'est fermé. C'est fermé. Il est juste derrière moi. Ok, je peux pas y aller, c'est fermé. Il nous faut une clé, donc ça sert à rien. On va se barrer. Oh, y a un coffre. Non mais mec, y a un coffre. Respecte-toi. T'es bloqué. Oh putain, y en avait un à l'intérieur, ils étaient deux. Ok, il y a un coffre ici. C'est dommage qu'on puisse pas les... Il faudrait les ramener vers le train. Moi aussi, j'ai sursauté de ouf. Il faudrait les ramener vers le train et les buter, en fait. Je pense que c'est ce que je vais faire. Il me faut ce coffre. Il était où, le coffre? Ok, il y a un mec là. Il était ici, je crois. Ouais, je vais faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire avancer un chou, le train... Comme ça. Et puis après, je vais leur tirer dans la gueule. Ça m'a l'air pas mal. Là, j'ai perdu qu'un débris parce que je pense que c'est Charles. Quand c'est Charles qui te tue, t'en perds plus, tu vois. Hey, motherfucker! Doigt dans le cul! Il a pas aimé mon olive! Bien, vas-y, viens. Vas-y, viens. Viens prendre ta bastos, là. T'es où? Ah! Oh, il y a des morceaux. Hein. Attendez, le prochain, je vais me le faire au lance-flamme pour voir s'il crie. Ah ouais.
You shouldn't be here. Oui, ton olive. Ouais. Attendez, il est où le prochain? Il est où le prochain? Là, là, il y en a un. Ok, ici. Bah, et où je me sers de tout ce qui est mis à ma disposition. Hein. Hey! Hey! Tu veux un doigt dans l'oignon? Hey! Doigt dans le cul! No visitors allowed! Il vient de dire aucun visiteur n'est accepté. Désolé! Prendre un petit doigt dans le cul. On va le cramer. Ah, c'est pas mal, il a rajouté une petite animation de cramage. Merci beaucoup, Dipsy, pour ton follow. Comment que ça va-t-il? Par contre, il a abîmé mon train un peu, le salaud. Hein. Ok. Il y en a un ici. Bah, je pense qu'on va pas tous se les faire non plus. Hein. C'est un peu long. Ou alors... Ah non, je peux pas mettre le train ici, c'est dommage. Moi, je veux juste le coffre. Je vais aller chercher le coffre. Ok. Allez, saute, merci. Je vais aller chercher le coffre. Le coffre, il était... je crois qu'il était de l'autre côté, là-bas. Donc attention, il y a un mec vers les tentes. Là, le coffre, je pense qu'il est ici. Ok, il y a un mec là. Il va... Bon. Bon, bah désolé, on va se le faire, finalement. En même temps, ils courent super vite, les mecs, hein. C'est dommage qu'on ait pas un petit fusil à pompe. Moi, je fais très bien, je fais très très bien. Je prends mon pied sur ce jeu, je crois que ça se voit. On prend notre temps aussi, et ça, ça fait plaisir. Putain, comment t'oses tirer sur mon train, enfoiré? Ok. Alors. Merci pour la lurk. Ça fait plaisir. Sadique le lance-flamme, mais c'est pour voir, c'est pour faire des tests de gameplay. Okay. Ce n'est rien... C'est pas pour... voilà, pour mon plaisir personnel. Je ne prends absolument aucun plaisir à brûler ce cultiste. Non, 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 pas maintenant! Pas maintenant! Fuck, 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 fuck. Cours, 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 cours. Mais t'es en train de me niquer tout mon plan! Il est où? I was cat, man! Merci énormément pour les 1000 bits! Il est où? Merci à tous! J'ai pas l'impression qu'il se ramène. Je le vois pas. Ok, il a l'air d'être parti. Eh, c'est normal, il a peur. Merci beaucoup Morgane pour ton 23e mois. Putain, 23 mois, c'est beau quand même. Okay. Rien ne se mettra au travers de mon coffre et de moi. Ok, il y a une caisse jaune là-bas tout au bout. Il a fait une feinte, ouais. Je pense qu'il a fait une feinte. Ce qui est pas plus mal, on va pas se mentir. Y'a pas de débris, c'est... Non, 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 non. Attends, je peux le voir sur la carte? Ah, tu peux pas le voir sur la carte. Merde, y'a la musique. Qu'est-ce qu'on fait, chat? On tente ou pas? Le truc, c'est que mon train est quand même vachement loin. Hein. On tente, on tente. Allez, on tente. On se dépêche. Ça doit passer. Il était où, le coffre? Vous vous souvenez ou pas où il était? Il était pas ici. Je pense que ça passe. Il était où, ce putain de coffre? C'était pas cette cabane-là? Ça devait être la cabane ici. Ouais, c'était celle-là avec les fenêtres. Ok, il y a un mec, faut que je fasse gaffe. Ok. C'est le stress.
dépêche-toi, dépêche-toi. Ok, là, y'a rien. Là, y'a rien. Ok, on se casse. On se casse. Ok. Voilà. J'ai fait exprès. Hop. Mon train, il est là-bas. Let's go. Le démon peut venir dans la maison, je pense pas, Tim. C'est pas un démon. C'est un train araigné, ce n'est pas la même chose. Un peu de respect. Attends, je t'attends parce que t'es un peu lent du cul. Il est où mon train? Il est là-bas. Oh, des débris. Ah, il est où mon train? Vite! Il est où mon train? Ok, derrière moi. Stop right there. Shut the fuck up! Jump! Let's go, baby! Crame, enfoiré! Wow, qu'est-ce qu'il prend là? Oh, il joue avec le cadavre de son pote! Donne ton fusil là, non? Ok. Bon, mesdames et messieurs, on a assez fait les fous. Il est l'heure de décoller. On va réparer le train. On va augmenter. On a 20 débris. On va augmenter les dégâts. Par contre, on va pas pouvoir réparer notre train. En violet, ça, on le voit pas assez. Ouais, je trouve aussi. Je trouve aussi. Alors, attendez. On a dit qu'on allait ramener le livre à cet énergumène. Donc, il faut qu'on fasse... Putain, faut qu'on fasse tout en arrière. Récupérer les 8 pages. On va faire tout en arrière, de toute façon on va vite. Et puis voilà, le temps qu'on parle, je vais hop, partir en arrière. Comme ça on va voir du paysage. On va se mettre ça. Bah, regardez notre vitesse aussi. Regardez notre vitesse. Regarde ça quoi. Attends, mais on va du mauvais côté. Non, 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 non. Dans l'autre sens. Eh ouais, on peut pas le faire en arrière en fait. On peut pas. C'est pas grave, c'est rigolo. Un peu de temps. Alors. On dirait une araignée qui s'est jetée sur le train, exactement. Aïe. Ça va, on va assez vite en vrai. On va marquer sur la carte. Quoi? Bah attends, je me suis gouré. Non mais... Je me suis complètement gouré. Attends. Des bisous, petite crêpe. Mais attendez, je me suis complètement gouré. Merci à tous. Je n'ai jamais douté. Attendez, peut-être qu'on peut passer par en arrière du coup. La galère, c'est un peu la galère. Merci Milouchou pour la lurk. Attendez. Le train, il faut que j'aille ici. Ok. Donc là, on est bon. Là, il faudrait qu'on tourne. Il faudrait qu'on aille tout droit en fait. De quel côté il va nous faire tourner lui? Attends, de quel côté? Il faut qu'on tourne du bon côté. Il va nous faire tourner... Ah mais non, je suis con, de toute façon, je vais que dans une direction possible. Désolé, j'ai pas joué avec des trains quand j'étais petit, moi. Des bisous, Emilouchou. Donc là, 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 il faut voir, en fait. C'est là, il faut voir de quel côté il nous fait tourner. S'il nous fait tourner sur la droite, c'est gagnant. S'il nous fait tourner sur la gauche, ça va être un peu plus long que prévu, du coup. C'est pas grave, on va voir du pays. Diablette! Merci beaucoup, Diablette! Pour les 9 mois, merci White Fox aussi. Pour les 9 mois, on va les appeler Walter et Dédé. Merci à vous. Merci énormément. Merci White Fox pour les 66 bits. Et merci pour le tier 3. Il y a eu un tier 3 tout à l'heure, je sais plus qui c'était. Merci énormément. Pendant qu'on est en train, je peux vous lire si vous voulez. Vous pouvez me dire des conneries. Ok, on va faire tout le tour. Et quand on arrive ici, à l'aiguillage, on s'arrête ici. On s'arrête, on va lui donner son bouquin, et ensuite on va faire les 8 pages. Et ensuite je pense qu'on va
je pense qu'on va aller se faire la mission principale là-bas. La mine et la mission principale et la dernière arme. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal, chat. Le méchant train, il arrive, c'est random. Comment tu vas, le café? Bonjour à toi aussi, le café. Merci beaucoup d'être là. Attendez, c'était quoi ça? Attendez, c'était quoi ça? On y allait ici? Bon, c'est pas grave. Tu viens d'acheter un PC portable, t'as installé Fasmo? Nice. C'est bon ça. Ok, on y est presque. On y est presque, on y est presque. Hop, on arrête le train. Oh, regardez. Oh, oh! Oh là là, mais quel boss. Autant en direction, je suis une couille. Autant en... En timing, je suis bon quand même. Merci beaucoup, Locom. Tchou tchou, j'adore. Mais j'adore, moi aussi. J'adore. Je peux vous dire qu'on va y retourner direct hein, quand il y aura le contenu supplémentaire. Il a pas prévu de date de sortie sur console. C'est prévu sur console, mais il n'y a pas de date. Quoi. C'est ça que je veux dire. Je pense que c'est le temps qu'il se trouve un éditeur. Mais à mon avis, vu le succès du jeu, ça va pas tarder, je pense. Thank you so much for bringing my journal. Ok. Ok, donc il nous a donné ça. 35. C'est pas mal, 35. Du coup, on va faire l'autre mission et puis après, on continue l'histoire. Il y a du matador, mais bien sûr. Je me suis enfin acheté une RTX. Je suis refait maintenant. Il y a tout qui tourne en ultra. C'est cool. Tu t'es acheté laquelle? 370, 380. Je l'autorise, Thierry. Je l'autorise. Alors, notre mission secondaire, elle est là. Mais y a, en fait, avec ce jeu, t'as un potentiel de délire, de mission annexe. Tu vois, les pages, par exemple, ça me fait penser à Slenderman. T'imagines, il a rajouté le Slenderman, ce serait stylé. Ce serait stylé. Alors. On trouve des pages. 3060, nice. À 400, ah, c'est pas mal. Mais non, mais non, mais non. Attends, il nous fait une feinte là. Attendez, je vais marquer mon train. Non, il fait une feinte. Il fait une feinte. Il fait une feinte. Attendez, est-ce que c'est plus près là? Ici. Non, la distance est la même à peu près. Il y aura des DLC, il y aura des... Enfin, ce sera pas payant quoi, ce sera des DLC gratos. Ok, trouver les 8 pages, on va descendre. Alors. Une. Il y en a une autre là-bas. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Wow, 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 wow! What? Je suis où? Wow, attendez, attendez, il s'est passé quoi là? Non, à mon avis, c'est un truc qui m'a attrapé, qui m'a TP. Oh, attends, elle est sympa cette mission. Attends, il y a un ennemi? Je le vois pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Là! Oh putain! Ok, il y a des entités fantomatiques du cul. Cours, 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 cours. Oh, il est juste derrière.
J'ai l'impression qu'on court un peu plus vite que lui par contre. Je crois qu'il peut pas sortir. Ouais, il peut pas sortir. Okay. Oh, la musique est incroyable. J'adore. J'ai l'impression que c'est une grosse musique de métal qui va démarrer quoi. Oh, il est là-bas, il est là-bas. Il est là-bas, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ok. Faut qu'on trouve du sang. Et là, il y en a une. Et il a l'air de se balader random sur la map. Ok, il est là. Il est là, il m'a vu. Je vais essayer de récupérer la page avant qu'il me chope. Obi, il manque de page 2. Ok. Ok, il est là-bas. Ah, il s'est TP. En fait, il s'est TP. Quand je prends une page, il s'est TP. Il est là. Non, cours. Oh, il doit être juste derrière moi. Ouais, il est juste là. Ok. Ah, oh, ça nique les oreilles un peu. Là, je l'ai. Yes. Cha! Pardon. Ok, on est bon. On va retourner vers notre... C'était vachement bien. J'ai kiffé. On va monter le train jusque là. Fuck! Cassos. Je vais aller à la gare. Je vais en prendre un chouchou. Je vais me chier dessus. Non mais clairement hein, c'est un dev à... Alors c'est pas son premier jeu qu'on fait hein. C'est le jeu qui avait fait c'est le mec qui avait fait le jeu très très court avec le snake le serpent dans l'hôtel là. No Snake Hotel. Il l'avait fait en 24 heures le jeu, il était rigolo. Mais c'est clair que on va poursuivre hein. On va le suivre. Ah merde. Attends, je tourne du mauvais côté là. On va suivre ses travaux. Oh, il est là-bas, on l'a vu. Est-ce qu'on le voit sur la carte? On le voit pas sur la carte. Je l'ai vu passer, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, vous aussi. Il va peut-être venir nous attaquer. Oh putain. Lance-flamme. Putain, je fais n'importe quoi avec la caméra, bordel, ça lag du cul. Ah, lance-flamme, c'est vraiment le mieux. Hein. Eh, la vitesse, ça fait tout, chat. Il arrive pas à nous rattraper, presque. Allez, dégage. Ok, on lui crame la gueule. On va tester un peu le lance-roquette, là. Allez. Tiens, allez, encore une. Tac, on s'écarte, on prend le lance-flamme. On va prendre la mitrailleuse. Allez, rentre chez mamie. On va partir en marche arrière. Ok. On prend pas trop de dégâts, ça fait plaisir. On va mettre l'armure au maximum. Ok. On est bien là, chat, on est bien. Comment tu vas, Big Caboche? Des bisous. On est où là? Oh non, on me fait pas partir. Oh non, on doit faire tout le tour. On doit refaire tout le tour. Oh l'enculé. Attends. Attends. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense. Je sais pas si ça vaut le coup d'y aller à pied. C'est loin quand même. Hein. Désolé, chat. On va faire le tour. Mais s'il se ramène, on va crever. On va essayer de la jouer RP et de pas mourir. Merci beaucoup Tatsumaki pour ton deuxième mois. Merci énormément. Même pour le fun, même si le jeu de ce soir me fout les jetons. Mais c'est ça qui est bon, merci beaucoup. Tu régales. Non, ce jeu est vraiment stylé, ouais. Vraiment stylé.
Alors, on va faire tout le tour, ça va assez vite. Faut qu'on aille jusque là. Ok, et ici on change. Okay. J'aime beaucoup chat, j'aime vraiment beaucoup. Oh, attendez, il a changé mon train, là, je vois des cornes. Oh yeah, baby. Oh, il est beau. Oh, il est tellement beau. Comme diraient les Québécois. Il est ben beau, Charlot. Des bisous à vous, évidemment. Des bisous, Satan. Merci encore, Big Caboche. Hein. J'espère que tu seras là demain. Big Caboche qui offre Callisto Protocol cette semaine, mesdames et messieurs. Oh, attendez, il y a une... On l'a pas ouverte, celle-là. Tellement excité, je bouge ma souris dans tous les sens. Franchement, le chat, il est excellent. La prise en main est excellente. Franchement, faites-vous plaisir. Même si vous avez vu le gameplay, tu vois, c'est le genre de jeu où l'avoir en main et y jouer, c'est pas la même chose. Vous kiffez regarder, imaginez ce que c'est de l'avoir en main. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est gentil, Sandman. Merci beaucoup. Le jeu y est pour beaucoup aussi. Hein. Les cheminots de l'extrême. Alors. Par contre, si je peux vous donner une astuce, faites comme moi, mettez la carte sur une touche de votre souris. C'est beaucoup mieux. Ok. On va freiner. Merde. Dans l'autre sens. Juste un petit peu. Encore un petit peu. Je sais pas, le fait que le gameplay soit simple et tout, je trouve que c'est vraiment un plaisir à conduire. J'aime beaucoup. Ok, let's go. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que je pense que rechercher, à part débloquer des couleurs, ce qui est cool, et débloquer des débris, tu vois, je pense pas que ça serve à grand chose. Après, c'est un dev solo, tu vois. S'ils avaient été plusieurs, il aurait pu faire plein de missions différentes et tout. Mais oh là là. Ah non, un peu loin cette fois. Ouh, pas mal. J'avoue que les missions, il aurait pu faire plus d'efforts sur l'exploration, tu vois, trouver des armes cachées ou après on sait pas, il y a peut-être des trucs cachés hein. Thanks for bringing me those papers. OK. Here are some scraps for your help. Donc là, elle nous a donné des débris. On va avoir le train à fond, chat. Mais après, comme je te dis, là on finit l'histoire, on débloque tout, mais après il va avoir du contenu en plus. Donc en vrai, est-ce que au final c'est dérangeant? Pas vraiment, surtout que c'est du contenu gratuit. 64! On a tout monté au maximum, mesdames et messieurs! On est des ouf. Ouh, attendez, plus de débris, plus de pognon. Il n'y a jamais assez de pognon. J'ai acheté une souris Logitech G502 Hero. Merci beaucoup Zexas pour ton follow. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi j'ai une G300 je crois. G300, tu vois, c'est vraiment la souris du branleur. Elle va très bien. Elle va très très bien. Alors attends. Est-ce qu'on tourne du bon côté là? Non, on tourne pas du tout du bon côté. On aille tout droit parce que là, ouais, il faut qu'on aille tout droit. Il faut qu'on aille ici, nous. On aille jusque là. Ok. Oh, il est trop beau, notre train. Merci à tous. Trop, trop beau. Je n'ai jamais douté. Merci beaucoup, Angel Pourpre. Merci beaucoup pour ton 9e mois. Ça fait très longtemps et ça fait surtout très plaisir. Merci énormément pour ça. Oh putain, attendez, il arrive. Il est où? Je le vois pas. C'était une fausse alerte. Attendez, il y a un truc là-haut. Je crois que c'était une fausse alerte. Yes. Attendez, il y a quoi ici? Ouais, attendez, il y a pas mal de trucs là. On va visiter. Let's go. Allez, petite visite vite fait. C'est qu'à 50 mètres.
Jamais été grande fan du Bluetooth sur mon matos informatique, mais Logitech me fait changer d'avis. Bah écoute, moi, j'ai aucun souci avec eux. Ouais. Mais bon, vous voyez comme je fous le sbeul durant mes streams, moi, il me faut des trucs sans fil. Après, moi, c'est surtout... Oh merde! Pour le casque et tout, le sans fil. Tout ce qui est souris, clavier, moi, je suis toujours filaire. Hein. Filaire. Parce que, je sais pas, durée de vie, tout ça. Attends, on va où, là? Attends, on va où? Qu'est-ce qu'on fout, là? Tu peux le repérer sur la carte? Non, tu peux pas le voir sur la carte. Attendez, c'est quoi ce délire? L'exploitation minière du nouveau site se déroule sans heurts, mais nous n'avons encore rien trouvé d'intéressant. Le chemin que nous avons creusé semblait assez peu conventionnel. Toutefois, Warren a finalement révélé que notre équipe recherchait d'autres ruines similaires à celles découvertes dans la mine du Sud. Après avoir visité les autres ruines avec Gale, je suis intrigué, que nous puissions trouver plus d'espace à visiter tant les ruines semblent déjà grandes. Incroyable. Oh, regardez, mesdames et messieurs, juste là, une pub. Wouh. Je sais pas comment je fais pour remonter. Écoutez, on va voir. Let's go. Ça fait longtemps qu'on n'a pas trouvé de couleur, je trouve. Warren, c'est une référence au... Non, je pense pas que ce soit une référence au... à Ed et Lorraine. C'était ça? Lorraine Warren? Alors attendez, on s'enfonce dans la mine. Je sais pas. Bon bah le train, écoute, si tu viens nous chercher ici, Chouchou, c'est fort quand même. Alors attends. Attends. Ça peut pas être l'objectif principal. On est rentré ici. On est ici. Attendez. Ah, on va arriver jusque là, je pense. Jusque là, là, il y a pas mal de trucs. Ok. Il va casser la gueule à mon train, peut-être, ouais. Je sais pas, on va voir. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool qu'il ait fait ça. Ça, c'est cool, par contre. Petit truc à visiter comme ça, j'aime bien. Ça manque de couleurs, j'aimerais bien... Qu'est-ce qui serait cool comme couleur sur notre train d'amour? Comment on l'appelle d'ailleurs notre train? Après, niveau débris, on est bien parce qu'on est full. On a tout augmenté à fond. Je pense qu'on n'a plus trop besoin de faire les missions secondaires, chat. On peut vraiment se focaliser sur l'histoire, je pense. Du blanc, du bleu. Moi, je verrais bien du noir. Du noir, mais avec l'armature en rouge. Tu vois. Noir et rouge, je sais pas, j'aime bien. Tu vois, par exemple, un petit shaker Holy Energy noir, noir ou rose foncé noir, tu vois. Ou rouge, rouge foncé noir. C'est stylé. Rose. Ouais, rose aussi, ouais. Rose et noir. J'aime bien le rosé noir en ce moment. On va changer un peu, tiens. Fais voir en orange. Oh, attends. Hey, il a quand même bien la classe en orange, hein. Rose et jaune. Non mais Papy Moujo, calme-toi. Quand tu as baisement vite. Non, en orange, il a la classe quand même. Hein. Il a quand même la classe, je trouve. Il faudrait que les barres, là, elles soient en noir mat. Ce serait stylé. Bref. Bon, on a bien fait de visiter ça au final. Il y avait pas mal de trucs. Faut qu'on s'arrête ici, nous. Je suis sûr qu'il y a tellement de secrets à découvrir. Là, tu vois. Là, regarde. Là, bim. Et bim. J'adore comme mon train fait presque pas de bruit. Oui, il est tellement rapide, ce train. Let's go. Alors. Franchement, je... Oh non. Non. Il est où? Non, laisse-nous tranquille, je viens d'arriver à ma mission, là. Ce serait bien de pouvoir débloquer des... Ouais, du truc pour les trains, ouais.
du comment t'appelles ça, c'est pas du comestible, du cosmétique, putain. Du comestible. Remarque, vu la meuf de tout à l'heure qui bouffe les cornichons, ça m'étonnerait même pas qu'elle bouffe des trains. Alors attendez. Ici, il y a des petits bugs au niveau du zoom. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis avant de rentrer dans la mine. Si, j'ai rien dit, il y a un ennemi là. Ok, il y a un ennemi ici. Okay. Il est qu'à 30 mètres, on va se le faire. Nice. Pickles. Saute. Oh là là, vous avez vu comme c'était smooth. T'es où, bâtard? Wow. Attends. Non mais toi tu cherches la mort. Viens là. Espèce d'enfoiré. Espèce d'orthodoxe. Non mais oh. Oh là là, il a fait du mal à... Trouvez-moi un nom pour ce train, s'il vous plaît. Okay. Fallait le brûler. Bah ouais, mais... J'allais pas tirer sur mon propre train, là. Est-ce qu'on a du débris par là? Là, il y a du débris. Alors... Ça fait longtemps qu'on n'a pas débloqué une couleur. J'espère que dans la mine, on pourra débloquer une petite couleur. Ce serait pas mal. Fais-nous une petite prédit, tiens. Prochaine couleur qu'on débloque, tu mets bleu, rouge. Et qu'est-ce qu'on n'a pas débloqué encore? Bleu, rouge et tu choisis la troisième. Ok, on a la mine juste là. Quand tu vas à Zexas, tu vas bien. Tichot, couche, marguerite. Thomas, bah c'est déjà, oui. Bob c'est pas mal, j'aime bien Bob, c'est rapide. Immortel chouchou. Le chouchou ma couille. J'avoue que le chouchou ma couille il est pas mal, mais... Oh, il a fait du mal à ma couille. Je sais pas, c'est... Le problème c'est que je vais pas réussir à le dire sans rigoler. Allez-y, il y a une prédit. À 5 minutes c'est un peu long, mais... Flash McCouille. Flash McCouille, c'est pas mal. J'aime bien. Jean-Charles. Jean-Chouchou-Charles. Ok, on a un mec juste là. Et le problème, c'est que là, s'il arrive, je peux pas me cacher, quoi. Ok. Et là, c'est fermé. J'ai envie de continuer ici, moi. Ok, il y a un pont. Il y a un pont, donc il y a quelque chose à débloquer, je pense. Okay. Elle est très jolie, cette caverne. Le bleu et le rouge, et le orange, pardon. Sadako. Si c'est une autre que les trois, eh ben... Thierry. Bah non, Thierry, il est là. Attends, si c'est pour dire Thierry et qu'à chaque fois l'autre se retourne, c'est bon, quoi. Il y a du sang, ça me plaît pas trop là. Moi j'aime bien là. Le fait qu'il ait fait un petit labyrinthe et tout, c'est stylé je trouve. Veuillez à ce que personne ne s'approche de l'œuf. Si vous voyez quiconque qui ne devrait pas être là, tirez à vue, nous prendrons aucun risque. Dès qu'il aura fini, tuez-le, ramenez-moi son corps. Ok, je l'ai vu là-bas. Ah ouais, il faut passer direct. Ah, j'aurais dû fouiller. J'aurais dû pisser.
Les œufs, il faut les trouver. On sait pas à quoi ils servent, mais il faut les trouver. C'est pour pouvoir tuer Charles. You shouldn't be here. You should... Exactement. Wow, tu m'as loupé. Aïe, il m'a pas loupé là. Aïe. Non, non, meurs pas, meurs pas, meurs pas. Tout ça pour du débris à la con, putain. Hey. Aïe. Caramba. Cassos, cassos, cassos. Le pont, le pont, le pont, le pont. Oh non, il y en a deux! Esquive! Oh putain! Let's go, let's go, let's go. On a trouvé l'œuf. Toujours là. Il est où mon train? Aïe! Let's go, baby! Ok. Lui, il a rien compris ce qui lui arrivait. Ok, on est bon. On a trouvé le deuxième œuf. Comment tu vas, Mogar? Tu vas bien? Choose pour le train ou push it? Push it, c'est pas mal. Bégon, Dofus, Bobby Poop. Merci à tous. Alors, attends. Ok, le train est bon. 45 débris, on est bien. Ok, on avance, chat, on avance. La map. On a récupéré le deuxième œuf, on va prendre la mission ici, débloquer la nouvelle arme à feu. Et je pense qu'on va finir le jeu. Hein. Honnêtement, je prends trop de plaisir. Vous avez l'air de kiffer aussi. Je pense qu'on va finir le jeu ce soir. Et puis je sais pas, à mon avis, c'est pas le genre de jeu qui est fun. Enfin, il est moins fun, je pense, offline. Tu vois, des fois, je finis les jeux offline quand ils sont trop longs. Oh, attendez, c'est quoi par terre? C'est du débris, là? Ah oui, c'est vrai. Celui-là, je suis content de le faire avec vous, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Ok, des drapeaux. Moi, j'aime bien. Difficile de pas kiffer. Pichotte. Il y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de nom qui me donne vraiment envie, là. Vous n'êtes pas inspiré niveau nom, chat. Qu'est-ce qu'on a? Chouchou, motherfucker. Babou, comment tu vas? Eh ouais, le jeu est sorti et c'est une dinguerie. Et je pèse mes mots. Ok, on va s'arrêter juste là. J'ai mal calculé là. Voilà. Fureur, Lucky. J'ai dû mettre 7000 points de chaîne pour que le bleu gagne. Eh bah écoute, on va voir. Je pense qu'on va pas tarder à débloquer une nouvelle couleur. Alors, on est parti, l'histoire principale du jeu. Petite musique sympa. Okay. J'ai discuté de notre dernier plan de bataille avec tout le monde et personne n'a eu d'objection. L'équipe est en phase avec ce qu'elle doit faire et se chargera de mettre en place la voie une fois le moment venu. Nous comptons sur l'archiviste pour frapper cette bête à la bonne distance et mettre Charles à genoux. Mon père devrait être sur le retour dans 2 jours. Nous lui confierons ainsi qu'aux chasseurs les clés et les autres provisions récupérées. Nous n'avons jamais eu l'intention de prendre des mesures aussi dures contre Warren et les autres mineurs, mais il ne nous a pas laissé le choix. Nous devons mettre fin au règne de Charles et Warren. Et Warren ne nous barrera pas la route. Ok, je pense qu'on est safe à l'intérieur. Terminator, Totomobile, Shinkansen, Totomobile, Carlos, Philippe, c'est pas mal. J'avoue que ma couille, c'est pas mal aussi. Ok, on a notre quête juste là. Je jalonne cette zone depuis des jours et Charles n'a jamais traversé le vieux pont de bois.
Cette créature semble être suffisamment rusée pour savoir qu'il est dangereux. Mais si elle est en colère et désespérée, elle le traversera sans aucun doute. Dès lors, bam, nous utiliserons les bombes de John pour faire exploser le tout. Charles tombe sur la tête la première dans le canyon. Si l'explosion ne le tue pas, la chute s'en chargera. Ah, c'est pas mal ça. Okay. Attends, je pille chez toi et j'arrive. Okay. Le John McTrain. Ouh, là tu me prends par les sautumants avec Die Hard. Ray Charles. C'est pas mal, Akasha. Comment tu vas? Salut, Darka. Ça fait plaisir de te voir. T'as un joli badge, Darka, t'as vu? Alors. Oh putain, c'est le fils de du vieux du début. C'est le fils du vieux, chat. Balancez des rips dans le chat. Ton grand-père est un héros de guerre, Paul. Ton grand-père était le meilleur sprinter que j'ai jamais vu de ma vie. Ton grand-père, Eugène. Qu'est-ce que je l'ai kiffé. Je l'ai pas connu longtemps, Paul, mais je l'ai kiffé, ton grand-père, sache-le. Il était incroyable. Although, I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland rather than return with you. Not to say that your help isn't appreciated. Attends, il est pas au courant que son grand-père est mort? If you haven't already heard, redirez, merci beaucoup pour ton follow. The mine boss Warren is protecting dangerous monster eggs that could lead to catastrophe. Ok. While our main plan is to summon Charles into a duel and fight him to the death, we've devised a perfect trap as a precaution. Ouais, grand-père court mais intense, ouais. Restez de puce. Cause du décès. Je sais pas comment. J'avais jamais entendu dire que t'attends, loupe pas une doigt. Attendez, notre plan réside certes dans la vocation et la défaite de Charles, mais nous avons néanmoins fomenté un piège parfait. Alors, fomenté, incroyable. Par précaution qui pourrait aider à le vaincre. Placer ces explosifs... Ah, sur le pont. Donc c'est ce qu'on a lu, c'est sur le pont. Ok. Il est où le pont? Ok, le pont est pas loin. Ça c'est cool. Ok. On va faire honneur à ton grand-père, Paul. Eugène. Un nom qui est dur à porter, mais il le portait très très bien, sache-le. Oh, il est là-bas. Vous l'avez vu? Regardez, il est là. On sait qu'il va venir? Non, il va pas venir. Il a peur. Il a peur. T'as peur, hein? Oh, pas sûr. Attends. Si, il a peur. Oh, attendez, je suis pas sûr. Ok. On va placer les explosifs. Attendez, j'ai peur qu'il se rapproche. Il est où? Je le vois pas. Il a l'air d'être parti. Ou pas. Il est où? Il est là. Il me rattrape? Ouais, il me rattrape. Lance-flamme. Je pense qu'honnêtement, le lance-flamme, c'est la meilleure arme. Regarde comme ça le fait reculer. En plus, avec notre vitesse, il ne rattrape pas. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est plus long. Ça fait... Merde. Ça fait un fight un peu plus soft. Ah non, en vrai, il n'y a pas à chier. La mitrailleuse, ça reste le mieux. Niveau sensation, je veux dire. Vas-y, petit coup de lance-roquette, là, pour le plaisir. Allez, cher. On va retourner en arrière. Ok, je pense qu'on l'a eu. Ok, je pense qu'on l'a eu. Il devient un peu plus énervé à chaque fois, ouais. Mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Alors, il faut qu'on aille... Il faut qu'on retourne ici, du coup. Masturbation. J'avais jamais entendu dire que la masturbation pouvait provoquer la mort. On n'a pas pris trop de dégâts, ça va. Merci beaucoup, Yoon, pour les 269 bits, ainsi que Dwarf, et merci Stud pour le follow. Merci beaucoup. Le plaisir de tout niquer, ouais, voilà. Mais on est d'accord, mesdames et messieurs, que le bazooka est quasiment inutile. Et par contre, le fait de ralentir x5 avec le lance-flamme, c'est cheaté. Hein. C'est vraiment cheaté.
Donc t'augmentes la vitesse, tu prends, tu débloques le lance-flamme et t'es bon. Hein. Comment ils ont eu l'idée de ce jeu? Ah ben c'est un mec tout seul, hein. C'est un mec tout seul qui a eu cette idée. Il s'est dit allez, pourquoi pas, what the fuck. On va visiter tout ça après, je suis sûr qu'il y a des couleurs cachées ici. On va d'abord mettre l'explosif. Même rien que le bruit du train, je sais pas, je trouve que c'est apaisant. Il attaque. Oh là là, quel boss, regardez ça. Ouh, El Matador. Alors, un ici. Un ici. On est pas mal là. Après le but c'est de le flinguer, donc quand tu le ralentis avec le lance-flamme, il faut que tu le canards avec l'autre. Le but, c'est de s'amuser. Le créateur du jeu a codé le jeu Scratch, ouais. Scratch, ça me dit rien. Je sais qu'il a fait Hotel Snake là. Scratch. On est parti. Attendez. Ah mais attendez, je suis con, faut que je retourne voir Paul. Attends, Paul. Bah ouais, mais je t'ai oublié, Paul, excuse-moi. Excuse-moi, t'as pas le charisme de ton grand-père. Il manque deux bombes. Tu penses? J'ai oublié deux bombes. Ah merde, excusez-moi. Mais il descend. Je les ai oubliés où? Ah, ici? Ah, ok. Non mais enfin, t'as vu la gueule du truc, je pense qu'en vrai, deux bombes, ça aurait suffi. Hein. Tu viens de niquer tes rotules. Ouah, j'ai l'habitude. Poumon. Alors. T'as le jeu te donne envie de courir H24, quoi, c'est... C'est hallucinant. Alors, on est bon, mec. That's the tallest and weakest bridge on the island. So if Charles ever crosses it, we can blow him sky high. Faire péter le pont, bah, c'est pour faire tomber Charles, en fait. Comme il vient de le dire. I'll be on standby to detonate the charges, but it's still up to you to suffer. Here, take this. Once you think you're prepared enough, you can break in and fight the battle of a lifetime. Oh! On a débloqué la fin du jeu, je pense. Oh, regardez, il est temps d'en finir. Je pense qu'on a débloqué la fin du jeu. Mais le truc, c'est que je sais pas si on est assez fort, tu vois. Ah bah non, il nous manque un œuf, je suis con. Il nous manque un œuf. Donc ça doit être l'œuf qu'il y a ici. On va d'abord débloquer une nouvelle arme. Parce qu'évidemment, la violence ne résout rien, mais c'est rigolo. Petit cassage de rotule. Let's go. Ouais, il nous manque un œuf. Excusez-moi, je me suis un peu emporté, chat. Oh, j'adore rentrer comme ça, c'est méga stylé. Alors, on va aller jusque là du coup. Hop. On va faire le tour parce qu'il y a des débris. Du débris. Ok. Oh, c'est quoi ? Gertrude, attendez, c'est quoi à votre avis? Spoilez pas hein, si vous avez déjà vu le jeu, mais là, si vous connaissez pas le jeu, à votre avis, c'est quoi? Marceli, merci beaucoup pour ton follow. On dirait, attendez, c'est bizarre, on dirait un sniper. Un satellite, j'avoue qu'on dirait un peu un satellite, t'as raison. Un lance-scie circulaire? Ah mais non, tu la sors où la scie là? Attendez, mais il n'y a pas de canon, c'est le viseur, c'est pas le canon ça. Je crois que c'était le canon, mais pas du tout. Le truc qui est coudé. Un taser, un ray gun, une antenne radio. On va voir. So, the fabled hunter has finally arrived. Un laser? You know, my late husband built a gun to help fight Charles. Les barils. Donc attends, il y a un truc avec de la poudre. Attendez, il y a un truc avec de la poudre.
Elle s'appelle Gertrude ? Attendez, je l'ai appelée comment ? Je l'ai pas appelée Gertrude ? Attendez, chat. J'ai dit quoi comme nom ? Avant de lui parler, j'ai dit quoi comme nom ? J'ai dit Gertrude. Et son nom, c'est Gertrude. Pardon, excusez-moi. Ben, tu vois, non mais moi je... Elle avait une tête à s'appeler Gertrude. Franck, tu vas bien ? Salut, Nicops. Incroyable. Incroyable. If you do end up using it, name it Bob in memory of my... Ok, faut l'appeler Bob. Putain, cette prédit de ouf, quoi. Attends, je vais piller un peu chez toi, Gertrude. Hein. Oh, putain, Gertrude. Attends, je dois faire quoi ? L'équipe... Ah, putain. L'équipe de Warren a volé les pièces de la nouvelle arme, récupéré et complété l'arme. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va prendre la mission principale et c'est ce qu'on va faire. Eh mais incroyable. Je suis tellement fier de moi. On saute et on va dedans. Putain, c'est tellement kiffant. Alors, il faut que je continue d'avancer jusque là. Attendez, il y a un bâtiment ici, je vais le visiter. Une église comme ça, il y a forcément une couleur à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le sermon d'aujourd'hui a été une véritable inspiration en ces temps difficiles, très bien pensé et minutieux à tout point de vue. Je crois que je parle au nom de toute la congrégation quand je dis que nous admirons votre confiance et votre sagesse inébranlable, tandis que nous pleurons nos frères et sœurs perdus. Si je puis me permettre, vous êtes juste un chouï prétentieux. Ah, écoutez, il faut de la confiance en soi pour réussir. Dieu est très très en colère. Charge et le diable, attendez, c'est quoi ça ? Araignée versus serpent, les araignées ont généralement plus de pattes. Dieu l'emporte toujours. Pleure peu, très peu. Prière de clôture, nettoyage. What ? J'ai cru que je m'envolais aux cieux, j'ai pas fait exprès de mettre la map. J'ai cru que je m'envolais aux cieux. Alors je suis un peu déçu. Oh non, non, si, ah si, ah si, si. Paint in black, baby. Ah, il a la classe quand même. Quoi, c'est quoi cette peinture dégueulasse? En fait, de loin, il a la classe. De près, Non mais attendez, elle est dégueulasse ta peinture. Là. Ouais, non, c'est là que tu vois que le vert, c'est pas ouf. Non mais c'est peint avec le cul. Bah c'est abîmé, ouais, mais... Bon, il a quand même la classe. Il a quand même la classe. Ouais, bah je suis pas peintre, moi. Hein. Moi, j'étais nul en art plastique à l'école. Hein. Il est stylé. De loin, il est stylé. Ah, je suis un chouï déçu, mais... Ah, je sais pas. Donc la prochaine couleur, c'était le noir. Donc, enlève pas la prédit. Hein. On va voir. Est-ce qu'on a du bâtiment à fouiller, là ? Y'a rien. Attends, je suis allé trop loin. Je suis allé largement trop loin en fait. De loin il est ouf. Au début il était ouf, après... J'avoue que... Alors attends. La dernière mission, mesdames et messieurs, la dernière mine et on va pouvoir finir le jeu. On va pouvoir finir le jeu. On va arrêter le train. Alors, vas-y, donne-nous la clé pour l'accès à la mine. Je vais essayer de piffer leur nom, tiens, à l'avance maintenant. Ok. Ah oui, ça, c'est ce qu'on a vu, ouais. Détruire les œufs de monstres. Ok. Ok, c'est là qu'il faut mettre les œufs. Les mutins. Ah, les mutins, ça doit être les cultistes. What?
La clé du sanctuaire récupérée, nous pouvons enfin mettre un terme à cet enfer. Ok. Nous étions en réunion hier soir lorsque Greg a invoqué cette conspiration tout à fait folle. Warren tenterait d'utiliser des trains araignées en vue de dominer le monde. C'est quelque chose dont on va, dont on va avoir du mal à me convaincre pour moi qui ai travaillé au temple. Charles nous a attaqué pour la première fois lorsque le prisme était en train d'extraire l'essence vitale de quelques œufs. Il ne s'est pas contenté de se battre comme un damné aux côtés des œufs détruits. Il a doublé de taille dans le même temps. Oh, le combat final, il va être incroyable, je pense. On aurait dit qu'il consumait l'énergie. Ses pattes se sont allongées à vue d'œil, plus élargies, tandis que son visage se tordait. Les quelques survivants n'en ont pas cru leurs yeux. Warren nous a demandé de cacher les œufs et de les protéger suite à cet incident. Puis il a commencé à évacuer les gens, et tout a empiré. Je sais que Warren a un passif tumultueux, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il est de notre côté cette fois. Ouh, attendez, attendez. Déjà, premièrement, file-moi tes débris, là. Je suis sûr qu'on a loupé des couleurs, en vrai. On a dû louper des couleurs. Ça manque de couleurs, là. Ok, let's go. Alors, la mine, elle est où? La mine, elle est là. Ok, ok. On va aller chercher l'arme. On va aller chercher l'arme, chat, en premier. Et ensuite, on ira à la mine. Ça m'a l'air pas mal. Le problème, c'est qu'on va arrêter le train ici. Parce que si on arrête le train là... Oh, remarque, on peut revenir en arrière et rechanger. Ouaf, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Là, il y a un truc aussi, là. Ah mais c'est où je suis allé tout à l'heure ça. Ok. Je suis sûr qu'il y avait une couleur dans ce truc qu'on l'a loupé. Bref. All in sur le blanc. Il n'y a pas l'air d'avoir de screamer dans le jeu. De ce que je sais, t'en as loupé une, c'est vrai? Ah merde. Ça c'est dommage. Encore? Il est où? Ok, il est là, il est là. Vas-y, vas-y, tu fais pas le malin là, hein? Ouais, le lance-flamme, c'est vraiment la meilleure arme. Par contre, la portée est pas ouf. Vas-y, viens, 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 viens. On lui fait tellement de dégâts là. Ok, je vais faire ça et puis je vais prendre le lance-roquette. Nice! Allez, ça c'est une battle bien menée ça. Des bisous, Jean-Thierry. Wouh! Wouh! Oh, c'est stylé. On va la voir tomber. Ah ouais. Trop bien. Alors attends. On est allé un chou trop loin, je pense. Oh, attendez, 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 on est à la mission secondaire là. Autant aller la faire, on est à côté. Si, si, j'ai une place pour une nouvelle arme. J'ai une place pour une nouvelle arme, voire deux. Donc en vrai, je vais juste prendre la mission secondaire, au cas où on passe à côté du truc qu'on doit aller récupérer, comme ça c'est fait. On sait jamais si on trouve une couleur. Tu t'es fait défoncer par Ray Charles. Ah, j'avoue, il y a quelque chose. Mais ma couille, je pense que c'est... C'est plus rigolo. Le roquette, il met de sacré pichenette, mais il le fait pas reculer, tu vois. Donc je pense qu'il faut faire lance-flamme... Je pense qu'il faut faire lance-flamme roquette. Quand il est assez loin, tu balances les roquettes dans la gueule. Et là, c'est fermé. Dommage que ça soit fermé. Oh, 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 alors là, je l'ai vu. Alors là. Alors, je pars pas d'ici tant que je l'ai pas récupéré. Salut Noxy. Alors là, je l'ai vu. C'était vert pomme. C'était vert pomme, je crois. On l'a vu, chat. Hein. Enfin, moi, je l'ai vu. Je sais pas vous. Moi, je l'ai vu.
Oh là là, mais quel boss. Ah ouais, donc en fait, les couleurs, faut les mériter, quoi. Oh, mais en fait, il y a plein de secrets. Non ! Ah, mes rotules ! Le lance-les tue. T'as vu ça, qui est l'acrobate ? Attends, il faut que j'aille où ? Faut que j'aille à l'intérieur, non ? Intérieur, deuxième étage, pour tout droit, tu sautes. Bim, t'as peur de rien. T'oublies que... T'oublies la mort. Putain, j'y étais presque. Concentre-toi, jeune padawan. Oh oui. Tout ça pour un débris à la con ? Ah non. J'ai glissé, chef, ouais. Mais non, mais c'est pas possible, il y a plus de secrets que ça. Tout ça pour ça ? C'est pas possible. Oh ! Non. Ah si, il y a un secret là-bas. Il y a forcément un secret. Là. Ériger les fondations de cette opération a été considérablement plus compliqué que prévu. Par un coût dantesque, d'une part, mais également par la logistique de la construction et de la livraison des fournitures aux principaux sites miniers, d'autre part. Nous devrons trouver l'or rapidement si nous voulons avoir une quelconque chance d'éviter la faillite. Attendez, je suis perdu. Et elle est dans quelle maison la peinture du coup ? Ah mais arrêtez avec vos potes fermés. Qu'est-ce que c'est ? Objet critique récupéré ? Retournez voir Ronnie pour terminer la mission. Ah merde, c'était ça la mission secondaire ? Ah merde, je suis un peu déçu, je vais pas vous mentir. Non, non, moi je veux la peinture, je veux la peinture. Bon bah écoutez, au moins on a gagné du temps. Aïe. On a gagné du temps. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis un professionnel. Ok, donc là on a de la peinture, faut qu'on passe au-dessus ici. Je vous ai dit, hein, je partirai pas tant que j'aurai pas cette peinture. Wouh ! Donc là on descend. Et la peinture. Pot de peinture citron vert ! Incroyable ! Ah, ça c'est joli. Ça c'est joli, citron vert. Ok. Ok, j'ai eu peur. Tout va bien. Oh. Oh. Alors. Ronnie, laisse-moi deviner, t'appelles Ronnie ? You look like a monkey climbing those towers. Comment ça, le monkey ? Qui c'est que tu traites de singe ? T'as vu ta pilosité faciale, ma couille ? I sure am glad I found these. Here's that scrap you were begging for. Don't spend it all in one place. Bah, la prochaine couleur, la prédiction, elle marche pas du coup. Ok. 92 ! Ok. Donc là on a tout fini. Là on a la mission. Ok, il nous reste deux missions principales. On a une mission ici. Je pense que... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait... J'ai envie de finir toutes les quêtes secondaires quand même. Mais bon, si c'est juste pour des débris... Remarque, si on peut avoir une petite couleur, pourquoi pas. Le problème c'est que c'est pas sur la route. Il faudrait revenir en arrière, passer par là. On pourrait passer par là, faire la mine. Ensuite aller ici. Mais non, ça marche pas non plus. Attends, comment je vais ici, là ? Ah, je suis obligé de faire tout le tour. Passer là. Ah, mais c'est chiant ! C'est chiant ! C'est méga chiant, en vrai. Tac, 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 tac. Je pense qu'il faut s'arrêter là. J'ai pas envie d'y aller à pied. Qu'est-ce qu'on fait ? On recule ou on fait tout le tour ? On va faire tout le tour. On fait tout le tour. Des bisous, Ronnie, hein. Mets-toi au sport un petit peu. Hein. Allez, go. Il ouvre mon train. Il est là. Là. En avant, Germain ? Oula, je connais pas du tout cette expression. Je connais en avant, Guingamp. Quelque chose me dit que tu vas avoir besoin de masse de débris pour le combat final. Je pense un peu, ouais. Je pense un peu. Un peu de bidou. Ouais, on a tous un peu de bidou.
pas de notre faute si on aime la bouffe. Alors. Hop. Attendez, citron vert, je veux voir, je veux voir. Eh ben tu vois, je préfère cette couleur que le vert dégueulasse de tout à l'heure. Merde. Attendez, il y a un secret là ? Non. C'est pas trop mal. Avec le jaune du pont, c'est pas trop mal. Non mais c'est pas trop mal. Ça fait... Ouais, c'est vrai que ça fait Shrek. Maintenant que tu le dis, ça fait Shrek. Je pense que le mieux pour l'instant, ça reste orange. Orange, c'est quand même le plus stylé. Ça reste le plus stylé, je trouve. Alors... on va avancer tout droit, on va faire le grand tour, paf paf paf, ça va aller assez vite, on va s'arrêter ici. Et ensuite je pense qu'on va aller en arrière, on va passer là, on va aller ici, ouais c'est pas grave, on se balade. On aime bien se balader donc. On va mettre ça sur la map. À moins qu'il nous fasse tourner du bon côté, ce qui m'étonnerait. Ah mais non on peut pas. Attends, mais c'est le début du jeu, là ? Oh, c'est le début du jeu, c'est le début du jeu. C'est où papy est mort, presque. J'avais pas tout visité. Attendez. On n'est jamais passé ici. On n'est jamais repassé ici. Il y a peut-être une couleur. Des dossiers. Ok, là, il n'y a rien. On va aller voir de l'autre côté. Peut-être qu'on débloque un truc en tirant sur les cibles aussi. Comment je monte de l'autre côté? Ah, il n'y a pas d'autre côté. Okay. Mon amour pour Zelda, Spirit, Trax m'oblige à vouloir une peinture bleu nuit. J'avoue qu'une petite peinture bleue, il n'y en a pas eu encore. Attends, je regarde s'il n'y a rien aux alentours. Là, on a une cabane. Ah mais non, là, c'est la cabane où on est allé chercher... Ok, il y a l'air de rien avoir. Ok, Cassos. Donc là, faut ouvrir les yeux. On n'est jamais passé par ici, je crois. Si, peut-être, je sais pas. Alors. Heureusement, on va assez vite. Genoux solides, toujours. Je pense pas qu'on va revoir papy. Non. Attendez, il y a une caisse là. Ah, je crois que j'ai entendu Chouchou. Plus lent que la SNCF. Non. On va remettre la mitrailleuse. Le temps qu'il vienne. Comme ça, on le bourrine un peu. Là, on avait déjà visité. Ah oui, c'est le tout début en fait. Donc là, il faut qu'on aille à droite. À gauche, pardon. Il est déjà réglé sur la gauche, parfait. Ok, nice. Il y a un côté apaisant, un côté... comment tu dis ? C'est pas apaisant, un côté... Ah merde, c'est quoi le mot déjà ? Je crois qu'on a visité tout ça. Ouais. Ouais, ouais, on a visité lui. Comment ça s'appelle? Tu sais, il y a des vidéos comme ça, tu regardes et satisfaisant. Il y a un côté, voilà, satisfaisant. C'est ça, ouais, satisfaisant. À conduire ton propre train. La petite locomotive. Je trouve ça vraiment cool. Ok, on avance et c'est là qu'il faut qu'on s'arrête. Putain, vous la sentez venir, la bataille épique avec Chouchou, là? Ça va être trop bien, ça va être trop trop bien. Petit claquage de Holly. Page de pub. La seule expérience similaire que j'ai avec Blair Witch. Ah oui, c'est vrai, dans Blair Witch, il y avait un train-train. Ouais. Non, 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 non. Merde. J'ai un chou trop avancé. Je suis à la charque ce soir. Petite charque des familles.
Là, par contre, c'est la première fois qu'on y va. Attends, je vais regarder vite fait s'il y a quelque chose sur notre trajet qui est intéressant. Là, c'est où on a trouvé les pages. Ouais, regarde, on voit le sang. C'est où on a trouvé les pages. Là, il y a une cabane ici. Il faudra qu'on aille voir. Cabane ici aussi. Ça m'a l'air pas mal. Ok. Ah, la charque. Trop beau, la charque. Fais chouchou. Ouais, c'est cadeau. Ok, let's go. On arrive à la gare, on va aller voir la cabane tout de suite. Allez, une couleur. Ah, oh, putain, y a pas une fenêtre qu'on puisse rentrer par effraction. Là, c'est frustrant toutes ces portes fermées là. Alors. Attendez. Je suis sûr qu'il y a un petit truc à faire là. Merci. Laisse-moi à tous. Je n'ai jamais loupé. Bon bah écoute, des bisous. Merci énormément Babou pour ton 20e mois, putain. 20 mois c'est propre quand même. Merci beaucoup. Oui, il y a du sang là. Il est où le mec qui me donne ma mission? Allô? Bonjour? Y a quelqu'un? Attendez, il est où ce con? Ah, mais la porte est ouverte, je croyais qu'elle était fermée. Mais. Kenny Reeves, qu'est-ce que tu fais là? J'ai poussé un wagon de secours dans le canyon à l'aide de mon magnifique vieux train minier juste avant l'effondrement. J'ai pensé qu'un wagon serait parfait pour dissimuler mes affaires les plus importantes, surtout sur une piste rurale inachevée. J'y suis allé chercher quelque chose il y a environ une semaine au sein même du canyon, même mais certains hommes de Warren y ont établi un camp. Ah, attendez, il y a peut-être des secrets à trouver là. Une base. Je ne sais comment récupérer ma boîte sans en venir. Ok, ou alors il va nous demander d'aller récupérer sa boîte. Welcome to Araniram, our Theodore. Museum person. My apologies. I'm not the best wizard, introductions, but I don't believe either of us are here for socializing. I just so happen to have a little business opportunity. Ah bah tiens, ça c'est les mails que je reçois, tu vois. Des fois je reçois des mails comme ça. Nous avons une opportunité incroyable pour votre chaîne Twitch. Nous vous donnons des bits et en fait il faut nous rembourser 70%. Tu sais, c'est quand c'est ceux qui achètent des bits avec des cartes bleues volées. Ils en achètent par exemple 140 000, ils t'en donnent. Du coup 140 000, il faut que tu leur rendes 100 000, tu gardes 40 000. Le nombre de mails que je reçois comme ça, c'est incroyable. A very special little box of mine is in a rail car in the nearby canyon, but the goons have set up a ouais, c'est camp. Ça. Find the blue box. And blue box. I'll give you some scraps. Ok, il faut trouver les blue box. Oh, oh, la petite peinture posée là. Oh, la petite peinture blanche. Brown. Oh, celui qui a all-in sur blanc. Celui qui a all-in sur blanc, il en peut plus là. Oh, let's go. Ouais, je suis sûr qu'on a loupé des pots. En vrai, des pots, ça me dit quelque chose, mais j'avais pas fait gaffe. Oh, baby. Oh, la petite peinture blanche. Attends. Il faut qu'on aille où? Il faut qu'on aille là. Ok. On va avancer un peu. Et on va regarder un peu notre train là, en blanc. Vas-y, fais voir. Oh, c'est laid. Oh, c'est laid. C'est laid, mais... Oh. T'as l'impression que c'est une pub pour les produits laitiers, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est laid. Comment tu vas, Rajex? Tu vas bien? Fasmous, c'est demain. Il y a l'immortel demain, Rajex. Le train merci du lait, ouais, c'est ça. Je n'ai jamais douté. Merci beaucoup, Horus, pour ton 15e mois et Babou 20e mois, merci beaucoup. Ah, c'est pas... C'est sympa, tu vois, mais... Je trouve que le orange, ça reste ce qu'il y a de mieux, quand même. Le orange ou le noir. J'avoue qu'en orange, il pète, quand même. C'est le terme lait. Ah, c'est pas mal, bien vu. J'avais pas fait gaffe, bien joué. Oh, le petit coffre, il est pour moi, là. Let's go.
Attendez, je peux y aller en train ? Ah non, je peux pas. En jaune, il est stylé aussi, ouais. Bah, GG à tous ceux qui avaient pitché blanc. Hein. GG. Je pense qu'on va quand même trouver bleu. Je pense qu'on va trouver bleu. Peut-être pas tout de suite, mais... J'ai combien de trucs ? 111. Easy. Alors. Ok, on a un mec juste là. Oh mais... Non mais tu triches mec, tu m'as vu à travers. C'est quoi ce masque dégueulasse? Oh, il m'a donné un damage boost. Damage boost. Eh viens là. Il faut courir en zigzag et il faut sauter pour pas qu'il nous touche. Quand tu vas Catalia. Le train du laitier. On va lui niquer sa... Pardon. Touche pas mon train, enfoiré! Ok. C'est dommage qu'on puisse pas ramasser son fusil à pompe. Même s'il y a qu'une balle à l'intérieur, ça aurait été stylé. Ouais, il a Streamhack. Faut le bannir, exactement. Alors. Mesdames et messieurs, profitez-en, c'est la dernière quête secondaire du jeu. Ensuite. On est parti pour le combat final. Enfin, la dernière mine. Et après, le combat final. On a pas un petit pot de peinture qui traîne. Ok, j'ai sa box. Sa blue box. Là, là, là. Il y a pas une petite peinture, un petit truc? Non. Dommage. Regardons la map vite fait. Il y en a, ok, il y en a sur le pont. Là. Il n'y a pas l'air d'avoir de peinture. Hein. Ok. Il n'y a rien, il y en a un ici. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de peinture, mesdames et messieurs, malheureusement. Je pense qu'il y a 12. Je pense qu'il y en a 12. Je vais quand même regarder en haut. Non, j'ai rien loupé. Non. Ok, let's go. Let's go, baby. On retourne au train. En musique. Attendez, il y a une cabane là-bas. Oh, nice. Il n'y a rien derrière. Ok, on est parti, on retourne au train. Vas-y, enclenche les moteurs, Thierry. Oh, il y a une caisse. Reviens! Ok, let's go. Everybody know the bird. Ok, let's go. Stop, 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 stop. Je crois que c'est là qu'il faut aller. Hein. Okay. Ah non, non, ça c'est pour la dernière mission. Faut qu'on aille à la mine, nous. Donc il faut qu'on retourne tout en arrière, en fait. Faut qu'on retourne tout en... Ah non, 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 je suis con, faut qu'on aille lui rendre la boîte. Mais quel teubé, moi je vais récupérer les trucs, je lui rends pas la boîte. Mesdames et messieurs, on est reparti. En marche arrière, let's go. Ah, j'aime bien la radio. C'est vrai que j'avais pas pensé à mettre la radio plus tôt. Hop. Alors. That's the exact. Allez, donne-moi mon pognon. Déguerpissé, non mais comment ça? T'as des problèmes de cou, toi. Hein. Allez, on se casse. On se casse, on se casse. Attendez, il y a un truc là. Yes.
Attendez, j'ai visité là. Ah oui, la porte était fermée, c'est ça. Ouais. T'as vu comme c'est smooth quand tu sautes, j'adore. Tu sautes, tchou, ultra smooth. Alors, on retourne en arrière. Il faut qu'on fasse ça, qu'on aille ici, ici, ici. Qu'on aille dans la mine là, je pense que le mieux... Oh putain! Il est où? Je pense pas qu'il puisse nous, nous chasser en... en marche arrière. Ok, encore un peu. Non. Je passe mes soirées sur la saison 2, mais c'est ça qui est bon. Merci à toi. Tu soutiens de ouf là, sur YouTube. Alors. Donc là, il y a l'arme. Je pense que le mieux, ça reste de faire le grand tour. Comme ça, tac, tac, on récupère l'arme. On va s'arrêter, on s'arrête là, on récupère l'arme, on avance un peu, on va ici, on avance, on va là, on finit le jeu. Je pense que c'est pas mal. Je pense que ça m'a l'air bien. Bon bah, let's go. Let's go, let's go, baby. C'est on est bon, on est bon, on est bon. Bienvenue mesdames et messieurs sur Radio Chouchou. Tu sais, je fais comme le chien qui met la tête. On est bien là. Tac tac tac. Ok. La main sur le capot. C'est les vacances, c'est les vacances. Bon attendez, il tourne du... Ok, il tourne du bon côté, il tourne du beau côté. Ils sont dans le train quoi, tranquille. Le son qui brise le train-train quotidien, exactement. Moi, ça me fait kiffer, chat. Ça me fait kiffer. Et le but, c'est de me faire kiffer. Ok. On peut aller là et là. Je vais finir par investir dans un vrai train, ouais. Ok, ici. Alors, ce que je veux voir, c'est est-ce que si je vais en arrière, est-ce que ça me fait tourner là? Ce serait cool. Ah, je suis pas sûr. Non, malheureusement non. Ok. Donc le problème, bah, c'est qu'il faut que je fasse tout le tour. Donc mesdames et messieurs, on est reparti. On fait tout le tour. Change de son, change de son. Non, on met pas ça. Ah, ça, c'est bien ça. On est parti, baby. Let's go, let's go, let's go. Il faut qu'on aille jusque là. Il faut qu'on tourne à gauche. On est parti, baby. C'est les vacances, c'est le week-end. Non mais ce serait pas trop cool d'avoir un train pour de vrai, sérieux? Je me sens vraiment comme un toutou à la fenêtre, c'est un truc de ouf. Bienvenue sur Chouchou FM. Tu sais, comme dans Burnout 3, avec Crash FM. Oh putain! Coupe le son, on a des emmerdes! Il est où? Ok.
on tourne à gauche. Non, on tourne à droite. Faut qu'on tourne à gauche, nous. Oui. Oh, il est là-bas, il est là-bas. Vous l'avez vu? Il est juste là. Il est pas loin. Il est pas loin, il est pas loin. Attends. Ouais, faut qu'on tourne à gauche. Okay. Si on était allé à droite, je pense qu'on se serait tapé avec lui. Ok, faut qu'on aille jusque là. Jusqu'ici, faut qu'on aille à droite. Ok. Au pire, on fera une marche arrière, c'est pas grave. Ok, on fera une petite marche arrière, c'est pas grave. Ah, mais il y a des ennemis! Calmez-vous, les gens Mahmoud, là. Attends, on n'a pas essayé le lance-roquette sur eux. Ça pique un peu, non mais normal. Attendez, il y en a un autre là-bas. T'as de la chance. Vas-y, cours, cours, cours. Tiens. Ah, j'avoue qu'un petit lance-roquette, c'est kiffant quand même. Y'en a d'autres qui veulent goûter? On est bon? Je suis jamais allé ici. Ah bah c'est là qu'il faut l'arme. Ok. On va fouiller, il y a forcément une couleur ici. Forcément une petite couleur qui traîne. Je repends la liberté, bien sûr. C'est ce qui s'appelle la démocratie à l'américaine. Tiens, prends un peu de démocratie dans la gueule. Je connais mes droits, ferme-la. Alors. Déjà 4 heures quand tu conduis un train, il n'y a pas une grève? Ah non, non, non. Par contre, il y a de la pub. Pub. Voilà. Des bisous. Oh non, c'est fermé! Comment je peux rentrer là? Ah, j'ai sauté, madame la marquise. Ah mais il y a un mur invisible, je peux pas y aller. Ok, ok, ok. Il y a un masque. Ah mais quand il y a des masques, c'est des repères de cultistes. J'avais pas compris, putain. Ok. Je peux pas casser la porte, non. Parce que je peux pas tirer... Ah, attends, attends, attends. C'est pas bête ce que tu dis. Est-ce qu'on pourrait pas casser les portes? Attends, 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 attends. Je pense pas qu'il ait pensé à ça quand même. Non, je pense pas. C'est dommage, c'est dommage. Bon, attends. Ok. Celui-là, il est stylé, celui-là, j'aime bien. Il me fait penser à Momo un petit peu. Ça aurait été stylé, ouais, de pouvoir casser les portes. J'avoue. Ça aurait été RP et stylé. Mais il y a forcément moyen d'entrer, hein. Puisqu'il y a des trucs à l'intérieur. Donc bon. Nous creusons depuis plus d'un mois et je commence à me demander ce que nous faisons vraiment ici. On peut voir d'anciennes ruines de pierre au-dessus du sol ainsi que d'autres ruines découvertes sous terre. Une sorte de temple abrité dans une grande caverne a été découvert dans l'une des autres mines. Nous sommes vraiment en train de creuser pour trouver des filons d'or. Ok. Bon, le stream devrait être fini, mais je prends trop de plaisir. Ok. Est-ce qu'il y a un truc là-haut? Ah, bah voilà, en fait, il fallait une clé, tout simplement. Ok. Y'a pas un petit pot de couleur qui traîne là? Non. Ok, let's go. Ok, donc ça doit être pour ouvrir cette porte du coup. Mais il faudrait tester sur une porte qui a pas besoin de clé. C'est possible. Ouais, tu vois. Attends, c'est quoi? La grosse batteuse! Oh la grosse batteuse! On a Bob! Oh la grosse batteuse! Attends, 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 attends.
Portée 5, dégâts 3, ralentissement 2-2. Ah, c'est pas ouf, hein. Bah, c'est pas ouf. Tu vois ? Ah, quand même, hein. Ça fait son... Ça a l'air puissant. Par contre, je suis étonné que ça fasse que... 3 de dégâts. Ça fait combien de dégâts, ça ? 2. Donc 1, 2, 3 et 4. Et 5. Je suis étonné que ça fasse que... Ouais, c'est un DCA, ouais. Je suis étonné que ça fasse que 3 de dégâts. Mais ça a l'air sympa. On va le prendre. On a 160 débris. Je pense que, mesdames et messieurs, on est prêt pour la grande baston, hein, pour aller récupérer le dernier. Donc on va reculer jusque là. On va aller dans la mine et puis ensuite, on va finir le jeu. Dans le jeu d'une traite. Hein. J'espère que vous êtes chaud. Installez-vous. Je pense qu'on y est encore pour 30 minutes. Ok, tac. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir, ce jeu. Alors, il faut qu'on aille. Je pense que le mieux, c'est d'aller là. Comme ça, bam. Oh, il y a une boîte. Niveau débris, il a pas fait le connard. Oh, attendez, c'est quoi ça? Oh. Oh. Oh, attendez, c'est pas un pot de peinture, ça? Ah non, c'est rien à voir, c'est mon... Oh, putain! Oh, il m'a fait trop peur! Eh bah tiens, on va tester la DCA sur ta gueule. Attends, il y a Charles? Get him, boy. Ah, je sais pas viser. Attends, Chouchou, il vient là ou pas? Oh, j'ai ma lampe qui s'est mise à clignoter. Je sais pas si vous le voyez. Attendez, j'ai ma lampe qui clignote, attendez. C'est bon. Merci beaucoup du follow assez égal et maître Yodao. Ok, on est bon. Alors attends. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais visiter ça, je crois. Ouais, je voulais visiter ça. Il doit y avoir un truc par là. Petite couleur, il n'y a pas une petite couleur qui traîne? Qu'est-ce qu'on fait? On descend dedans ou pas? Ah mais on peut pas descendre. Non, c'est une feinte que tu nous fais là. On peut pas descendre. Est-ce que ce serait pas pour s'échapper de la dernière mine? Elle est où la dernière mine? Bon bah je suis mort. Holy shit, il est où mon train? C'était pas une feinte. Deux débris, bon bah ça va, on a tellement de débris. Il joue avec la lumière, ouais. On a tellement de débris, ça va. Putain, j'ai cru qu'il nous faisait une feinte. On se parle. Donc là, on s'en fout, faut qu'on aille ici. Ok, let's go. Jojo, comment tu vas, Jojo? Chocapic, t'as la fin? Ok, là, on est pas mal. Let's go. C'est comme Zelda, on peut tout escalader. Alors, l'entrée de la mine, elle est ici. Est-ce qu'on a des ennemis là? J'ai pas l'air d'avoir d'ennemis. En vrai, je trouve que c'est pas assez punitif de mourir. Je sais pas ce que vous en pensez, chat, mais je pense qu'il aurait pu enlever 20 ou 30 débris, tu vois, quand tu meurs. Là, t'aurais eu vraiment peur de mourir. Ou alors une mort permanente. Il faudrait qu'il fasse un mode mort permanente. Là, tu te chierais dessus, je pense. Quand tu vas à hasard, tu vas bien? Salut, Lyrian. Mesdames et messieurs, on est parti. La dernière mine. Ah ouais, j'aime... Ah ouais.
Ah ouais, j'aime me niquer les chevilles. Okay, let's go. Dix débris mini et à chaque mort 10 de plus. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ok, il y en a un à droite. Ok, ok, je te vois, je te vois, je te vois. Ok, il s'est barré. Et merde, il m'a vu, je crois. On va attendre qu'il arrive, on va se barrer. Hop. Oh non, je suis bloqué. Aïe. Aïe. On va partir, hein. Il me suit ou pas? Il me suit. Il me suit, il me suit. Ou sinon que les améliorations coûtent plus cher. Après, il faut dire que nous, on a pas mal... On a grindé aussi, hein. On est arrivé en mode... on fait toutes les missions secondaires et tout. Merde, il loue mon train. Il est en haut, je crois. Putain, tu veux pas me laisser tranquille? Il pleut, enfin... Ça glisse par terre. J'ai perdu... Ah non. Désolé, tu vas mourir, mon ami. Wouh! Oh, baby! C'était un headshot, je crois, hein. T'as de la chance, je peux pas te teabag. En orange, on le voit bien, ouais, c'est pas mal. Alors. Ok. T'es ami avec des platistes maintenant? Ouais, j'ai l'impression. Pas toujours pas compris grand chose au jeu, mais y a rien à comprendre, y a juste à kiffer. Ok. Là j'ai récupéré ce qu'il fallait récupérer. J'ai combien de débris? Putain, on va finir le jeu avec 300 débris. Ok, y en a un là. Ok, il nous entend pas. Hey, non, c'est abusé. C'est un peu abusé, hein. On va pas se mentir. Putain, il m'a fait peur, ce con. Pas les couilles. J'ai pas le temps. Cher. C'est un Déogène. Sa vision est basée sur le mouvement. Qu'est-ce qu'il fout là? Attendez, y a rien ici? C'est un cul-de-sac? On va attendre qu'il retourne là-bas. Ok. Ok, là il peut pas me voir. Ils ont vraiment des têtes cheloues, c'est délire. Ok, il s'est barré. On va de quel côté? Il y a du rouge. On va aller du côté rouge après. Ok. Casse-toi. Ok. Oh, l'œuf! Ok. Je pense qu'on est bon. À gauche ou à droite? On va aller à droite. Ça a l'air d'être un cul-de-sac. Yes. Des bisous, Gigi. Merci beaucoup. Je sais pas depuis combien de temps t'es là, j'espère que t'as kiffé. Il y a un coffre. On a un coffre. Ça manque de coffres, je trouve. La mécanique des coffres, j'aime beaucoup. Et on va arriver où on était tout à l'heure.
Ah, par contre les ennemis sont revenus. C'est pas moi. Ah, let's go baby. Il est où mon train? Là. Vite. Ils sont deux. Get this guy. Ta gueule. Woo! Let's go, baby! El Matador. Okay. On va réparer le train. 190 débris, on est pas mal, chat. On a tous les œufs. Le rouge. Attendez, faut qu'on teste le rouge. Oh, à mon avis, le rouge, ça va être une dinguerie. Vous êtes prêts? Ah oh, ouais. Ah si. Ah si. Ah si, 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 si. Ah si. Ah si, ah oui. Ah il est trop beau. Oh il est trop beau. Il est trop beau hein, et de près comme de loin. Ah ouais, il est stylé en rouge. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Attendez. Alors attendez, 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 attendez. Attendez. Qu'est-ce que... Des bisous, évidemment. Alors attendez. Tac, il faut qu'on aille. Ah non, il est beau, il est beau, il est beau. Bah je crois que c'est tout, mesdames et messieurs, on a tout fait. On a absolument tout fait, on n'a pas débloqué toutes les couleurs, mais on a tout fait. On va se diriger vers la dernière mission du jeu. Et le meilleur moyen d'y aller dans un train aussi stylé et rouge, c'est avec une musique évidemment de qualité. Tout de suite Thierry, mets-nous une petite musique de qualité Thierry, s'il te plaît. Allô? Ah, je sais pas, mais ce que tu veux. Ouais, mais ça, tiens. Ça va chier! Let's go, baby! Il faut qu'on tourne. Il faut qu'on tourne à droite. Merde, c'est gauche. Oh, yeah, 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 yeah. Vas-y, recule. Ok, on est parti. Faut qu'on aille jusque là. Mesdames et messieurs, avant d'entamer la dernière mission, je vais aller faire un petit pissou. Hop, voilà, on est bon. Non, 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 c'est pas le moment. C'est pas le moment. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vient ou il vient pas? Attends, attends, attends. Il nous a pas vu. Sa vision est basée sur le mouvement. Merde, il nous a vu. On va prendre le lance-flamme. Lance-roquette. Let's go! Retourne chez ta mère, Jean-Thierry! Alors. Ah merde, attendez, il nous a niqué là! Oh putain, on part de l'autre côté, faut qu'on retourne en arrière. On n'a pas le choix. Hein. Ok. Ok, 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 ok. Attendez, il y a une caisse là. C'est tellement nerveux comme gameplay, je kiffe. Ok, ok, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Merci Thierry, merci beaucoup. Non, 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 j'ai dit merci, merci. Alors, c'était métal, mais carrément, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Attendez, faut qu'on aille, il faut qu'on retourne jusque là. Putain, il fait chier. Mais c'est ça qui est bien. Le côté aléatoire de charge, je trouve qu'il est vraiment bien. Tu vois, il vient toujours te faire chier quand tu t'y attends pas. Par contre, la DCA est pas mal, mais ça le ralentit pas de ouf, quoi. Avec la musique, ça passe bien.
Désolé YouTube, tu n'auras pas la musique. Ok. Attends, j'entends siffler là. Pourquoi j'entends siffler? C'est quoi ça? Oh sa mère! Il y a un coffre. Ah, je suis désolé hein, mais moi il me faut le coffre. Ah non non, mais moi il me faut le coffre. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça m'a l'air pas mal. Ah, moi il me faut le coffre. Ok, let's go. Il y a un coffre, mesdames et messieurs. Ça sent la couleur. Ça sent la couleur. Oh, Warren est dead. Sympa l'easter egg là. Attendez, attendez, attendez. Un coffre comme ça au calme. J'ai bien fait de regarder la map. Qu'est-ce que ça va être? Vous pensez que ça va être une couleur? Merde. Enfin du bleu. À mon avis, il sera pas plus beau qu'en rouge. Hein. Rouge, ça reste quand même la meilleure couleur. Ah, c'est du... Oh! J'ignore comment ce wagon est arrivé dans les bois, ni la raison pour laquelle il l'est. Et je ne sais pas non plus pourquoi Warren me veut ici. Gardez un œil sur ces gens égoïstes qui veulent nous tuer, si je devais deviner. Nous ne faisons que suivre les ordres. La seule raison pour laquelle il est en danger est qu'il refuse de suivre des lâches que je n'en ai jamais vus. Ok. Dommage. Mais donc on peut bien voir les coffres... Ah, ça doit être le camp ici qu'on a vu. Mais on s'en est déjà occupé des... Ok. Donc là, on avance... Il faut qu'on aille à droite. Ok, on avance et on va à droite. Merde, mon train, il est où? Il est là. Ok, ok, ok. Une note de Charles, ouais, je sais pas, c'est bizarre. Mesdames et messieurs, on est de retour. Le train, le métal, la pause pipi, la dernière mission. On est parti. Faut qu'on tourne à droite, hein. À droite. À droite, on est bon. On va s'arrêter juste là. À droite encore, il faut qu'on s'arrête ici. Ok. Ça va chier. Comment ça le fait trop? Mon train! Je suis tombé du train! J'ai tellement ambiancé que je suis tombé du train! Faut qu'on tourne à droite, hein. Yes. Alors, on s'arrête là. Hop! Mesdames et messieurs, je vais pisser et on fait la dernière mission. Let's go, baby! On va finir ce jeu de ouf! A tout de suite, j'arrive! Allez, 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 on est de retour, on est de retour. Calmez-vous, calmez-vous. Je sais que vous êtes d'humeur métalleux ce soir. On est parti. Mesdames et messieurs, je vérifie, on est bien au bon endroit. On est au bon endroit. Il est temps d'en finir. Il est temps d'en finir. Let's go. On a quand même débloqué la meilleure couleur pour la fin. Je suis content. Allez. À tout moment, Charles arrive. Mais non, mais non, mais non. Alors, est-ce qu'ils ont réapparu les mecs qu'on a butés? Ouais, j'en ai vu deux là, je crois. Ouais, il y en a deux.
Il y en a un ici. Ok, donc les mecs réapparaissent. C'est pas grave. Merci beaucoup du follow TWTW TV. Let's go. C'est la fin du jeu, mesdames et messieurs. Merci Unico pour le follow. On met tous nos œufs dans le même panier. On a peut-être dû se préparer un peu mieux pour la baston finale en vrai. Let's go. Step away from the shrine, stranger. You don't know what you're doing. Peut-être que Warren est pas méchant en fait. Non, mets-le. Far too many people if you follow through with whatever you're planning. No! No! What have you done? You fool! Ok, je pense que Charles va être du coup immense. Il va être immense. Oh my god. Holy shit. Mesdames et messieurs, it's time for the final battle. Let's go, baby. Konomi, merci pour ton beaucoup pour ton follow. On est parti, mesdames et messieurs. Tirez jusqu'à que mort s'en suive. Mais... Ah putain, mais change. Excuse-moi. Il est où? Oh mais non, il se TP. Ok. On va essayer de le ralentir avec ça. Et quand il sera assez loin, on va faire le bazooka. Attendez, je baisse le son du jeu. Bazooka, j'ai un permis pour ça. Oh, let's go. Ah non, non, là il est trop près, faut qu'on passe sur le lance-flamme. Oh, il fait du dégât le bâtard. Ah, j'aurais dû passer mitrailleuse là. Le son ça va ou c'est trop fort? Oh l'enculé. Ok, il faut que je passe feu. Que je l'éloigne. Et que je répare mon... Merde. Vite. Tire! Prends la DCA. Ok, prends le feu. En vrai, le feu c'est ce qu'il y a de mieux. Il suffit de le garder et puis je pense que t'es complètement safe. Mais c'est plus rigolo de changer. Tu vas payer, Jean-Charles! On va se soigner. Tchou ! Putain, la carte, c'est pas le moment. J'ai gagné ? On fait exploser le pont. Oh ouais. Oh, c'était jouissif.
Oh, c'était jouissif, baby! On a réussi! Let's go! Comment tu vas, Kurumi? Merci beaucoup. Oh là là, c'était... Eh, incroyable. Le jeu incroyable, chat. Il était trop bien, ce jeu. Trop, trop bien. First try. First try parce qu'on s'est soigné. Si on s'était pas soigné, laisse tomber, quoi. Wouh! Et l'écran de fin, il est vraiment stylé, je trouve. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oh là là, mais c'était trop bien. C'était trop, trop bien, chat. Ça coûte 19 balles. Franchement, allez vous le choper. Faites-le vous, il est trop bien. Alors, attends, petite thématique de fin. Il y a du contenu qui devrait arriver dans quelques mois. Donc, peut-être qu'il va nous teaser une suite, on sait pas. Ouais, le jeu est hard, mais je pense qu'il va rajouter du New Game Plus ou un truc comme ça plus tard. Et ce sera gratuit. Attendez, il y a un œuf caché. Un bébé Charles ? Attendez. Qu'est-ce que c'est ? Oh, ça tease. Sympa, sympa, sympa. Oh putain, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Regardez mon chouchou comme il est trop beau. YouTube, j'espère que t'as kiffé ce let's play complet de Chouchou Charles. On a fini le jeu quasiment à 100%. Il nous manque juste quelques couleurs, c'est tout. On y retournera évidemment quand il y aura la mise à jour avec le contenu additionnel gratuit. C'est ce qu'il a annoncé. Alors après, entre ce que les devs annoncent et ce qu'ils font, on verra. Ça se trouve, ça va être un contenu incroyable, donc il va peut-être le rendre payant. Mais bon, bref. En tout cas, voilà, ça coûte 19 balles. Ça vient de sortir. Merci encore aux devs pour la clé. C'était une tuerie monumentale. Je n'ai absolument pas vu les 4 heures passer. Mais absolument pas. Un gros plaisir. N'hésitez pas à vous mettre de la musique à fond de balle quand vous conduisez ce train. Le gameplay est excellent. Les quêtes annexes, bon bah c'est des quêtes annexes, elles sont pas ouf, tu vois. Le combat, peut-être un peu trop facile, tu vois. Moi, j'aurais corsé un petit peu, mais après, je trouve qu'on s'est quand même bien démardé. Peut-être aussi parce qu'on a fait toutes les quêtes secondaires, donc du coup, on avait l'arme à fond, l'armure à fond, tout à fond. Je pense que si tu speedrun le jeu, d'ailleurs, à speedrun, il doit être sympa le jeu à speedrun. N'hésite pas. Enfin voilà, n'hésite pas à commenter, partager, liker. N'hésite pas à venir nous voir sur Twitch. Si toi aussi tu veux voir toutes ces dingueries en live, n'hésite pas aussi à claquer ta Oli. T'as tous les liens en description, ainsi que le lien du jeu, ainsi qu'un lien pour suggérer des jeux aussi. Voilà. Des bisous YouTube, le chat t'embrasse, moi aussi. C'était une dinguerie, putain. Des bisous.